Et bonsoir tout le monde! J'ai de moins en moins d'idées pour commencer mes streams, ça devient chaud! Comment ça va les potos? Ah, en ce bon début de mois de juin, dis donc, mais c'est qu'on avance dans le temps! Putain de bordel de merde! C'est plus mon anniversaire ce mois-ci! Ah, salut les potos! Je kiffe cette intro, elle est excellente! Surtout que j'y ai apporté une petite idée. Mouah, elle en devient que meilleure. Non, elle est vraiment trop bien. Fait chaud, il fait très très chaud. Je suis actuellement tout nu. Non, je suis torse nu. J'ai enlevé mon ventilo pour pas que vous l'entendiez, parce que je suis quelqu'un de très sympa. Voilà, qui tank, je tank pour la team. J'ai juste envie de l'allumer, tu vois, et de mettre mon visage devant les hélices. Et de pas streamer en fait, vrai, juste de rester devant pendant 3 heures et prendre du frais sur le visage. Fort heureusement, j'ai une petite canette de liquide dont je tairai le nom parce qu'on n'est pas sponsorisé. Baisez vos mères. S'il vous plaît, Monster, un petit sponsor, ça coûte pas. Ça mange pas de pain, allez, allez, s'il te plaît. J'ai envie d'avoir mon mini frigo. S'il te plaît. Gros PD, il est nu. Bah, c'est pas comme ça qu'on vit, non? Je sais pas, je fais comme ça. Faut RL monstre, hein. Ça fait combien? Oh, ça fait 2 minutes, c'est déjà beauf. Oh, j'adore. Ebola est de nouveau déclaré au Congo. Ah, j'ai vu ça sur Twitter, je crois, tout à l'heure. Ouais, bah, que veux-tu? On croirait. En fait, je me dis que c'est. Le monde où on vit, là, 2020, à l'heure actuelle, là, le 20h11, 1er juin 2020, c'est plus ou moins une partie de CK2 qui a mal tourné, en fait. Et il y a plein de parallèles, tu vois, qui font que ça marche. Il y a des révoltes, CK2, le vrai monde. Il y a des maladies qui se déclarent comme ça, CK2, le vrai monde. Non, franchement, je kiffe, hein. Moi, je suis à fond. Bon, du coup, on discute, mais il va falloir jouer un peu, hein. Alors, pour ceux qu'on soit pas vu le tweet, ou soit qui ont pas réfléchi. Bien entendu, je vais faire du The Witcher ce soir. On va le continuer, bien entendu. Parce que ça fait 3 semaines et que j'aimerais bien le finir un jour. C'est normal, il veut pas être sur la fenêtre. Parce que je n'ai pas fait mon taf avant. Parce que je suis un sale con. Et que je regardais un match de CS surtout. Hop, voilà. Hop, le son. Casse-toi. Hop. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors oui, alors du coup, les fleurs. Alors du coup, tu vois qu'il y a plusieurs sauvegardes. Et en gros, les fleurs, du coup, j'ai fait ça avant le stream. Je me suis permis d'avancer un petit peu. Et j'ai été aller chercher les fleurs. Et j'étais aveugle, je pense, j'étais crevé. Parce que c'est juste des parterres de fleurs, en fait, cramées à 4000 km. Et je n'ai pas eu de la récompense que j'espérais avoir. Qu'on espérait avoir. Et j'étais très déçu chez moi, voilà, j'ai tiré la gueule tout seul. Et surtout quand la récompense c'était juste que la meuf elle m'a dit ah, bah tiens du coup je vais t'apprendre à reconnaître ces fleurs là. Et j'ai fait ah super, c'est nul, t'es nul à chier. Du coup voilà, c'est cette sauvegarde là. Du coup bon, on s'en fout. Et du coup j'ai été farm un peu. Du coup je pense que je vais reload celle là. J'ai juste été farm les algoules dans le cimetière parce que y a pas de quêtes qui sont dans le cimetière. Du coup, ouais, j'ai été faire ça vite fait. Et c'est tout ce que j'ai fait hors stream. Normalement, j'avance vraiment pas, mais bon, là, j'ai un petit peu envie. Mais non. Ah, mais non, ok, d'accord. Oh là là, j'ai eu peur. J'ai cru que je parlais dans le vide depuis 5 minutes. Legit, hein. Ok. Ah oui, alors il y a un fantôme. Qui est triste. J'ai froid. J'en ai aucune idée. Bon, alors du coup, les quêtes. Alors, on commence bien parce que je sais pas où aller en fait. Ça, je suis bloqué. Ça commence vraiment bien le stream. Hein. Ça, du coup, ce sera dans le chapitre 3. Alors, ça, si, faut que j'aille lui parler. Faut que j'aille lui parler, ça, je peux avancer. J'ai vu. Bah, ça, du coup, je suis bloqué. Ça sera plus tard. Alors ça, on m'a dit que ça allait me bloquer le, enfin ça me bloque le cimetière si j'y rends, mais je sais pas vraiment si je, enfin,
Normalement, je peux lui rendre. Là, non, j'ai fait les quêtes que je voulais, normalement. Alors ça, pareil, aucune idée. Truc, je l'ai fait en long, en large, en travers, j'ai trouvé aucun gamin. Ça, c'est nul. Ça, j'ai pas trouvé de loot. Et ça, je l'ai fini, voilà. C'est juste ça que j'ai fait. Du coup, je vais aller la finir. D'ailleurs, hop, c'est bon, je suis dessus. Parfait. Ah, ça fait du bien d'y retourner. Peut-être qu'on va arriver au chapitre 3 avant la fin de ce soir. Ça me ferait plaisir. Putain, faudrait qu'on avance un jour, quoi. Ah. Est-ce que vous êtes remis du petit stream d'hier là où on a tondu Spider telle une femme dans des années sombres? J'en dirai pas plus. Et R3 aussi, que je n'ai pas regardé. Voilà, car je n'avais pas envie de me spoiler. Vraiment, j'aurai le jeu que dans 6 mois, mais. Si, c'est là. J'aurai le jeu que dans 6 mois, mais bon, bah, j'ai envie de garder mes yeux vierges. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'ai vu qu'il avait duré en plus le stream. Réveille-toi, frérot, faut qu'on parle. Ou m'en fous. Donne-moi de l'argent. Je viens pour. Vous avez. Oui. Oui, 3 doses toutes fraîches. Allez, I need some gold. Voici votre or. Combien? Mais donnez combien? Oh, 150 balles, quel bonheur! Quel bonheur! Bon, il manque juste les équinopes, mais ça, je pourrais pas les avoir avant un bail. Parce qu'elles étaient dans l'autre map, mais je peux plus y aller. Ça fait chier. Je vais aller réveiller l'autre con. Et puis, on va essayer de set up son assassinat. Et après, je serai bloqué! non, mais non, il habite où? Il est pas à côté? Attends. Non, la rose. Le cimetière, non. L'ours poilu, non. Non, non. Non plus. Non plus, non plus, non plus, non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Ah, ici. Okay. Parfait. J'ai juste XP un petit peu. Vite fait, quand il y avait des trucs qui m'attaquaient. Genre des brigands. Mais sinon, j'ai vraiment pas avancé plus que ça hors stream. La dernière fois t'as commencé blindé de fric et t'as fini sur la paille. Mais ouais, mais pourquoi j'ai commencé? Ah mais si, mais c'est parce que j'ai rendu l'argent. J'avais plein d'argent que je devais, enfin que je devais, que j'ai partagé avec des gens. C'est pour ça que je suis passé de riche à pauvre. Et je crois que j'ai dû m'acheter plein de livres aussi. C'est littéralement juste pour ça. Bon, réveille-toi Raymond. Alors parlez-moi du commandant de la garde royale. J'avais pas déjà parlé la dernière fois. Il y a peu, faisant la chasse au pervers. Vraiment? Tout le monde sait que le commandant déteste ce qu'il considère comme. Parce que je fasse un truc sur OBS, je sais même pas si je peux. Mais peu sans souci. Oui. Au pire, je l'enlèverai. Attends, parce que. Ouais, ah, c'est tout. C'est trop chiant. Ah, c'est trop chiant. Est-ce que je peux l'enlever? Je peux le masquer? Je peux le masquer? Ouais, nice, ok. Je peux le démasquer ou pas? Oh là. Ah, je peux pas le démasquer. Ah ça c'est... Il oui, faudra que je demande aux copains comment faire. Ok bon maintenant tranquille. Hop. Je suis prêt à m'occuper de Boucanier. Faudra le tuer. Oui. Mais attends. Je ne suis pas prêt. Attends. Attends mais c'est bizarre. Ouais mais évidemment que j'ai rien trouvé en partant. En pratiquant l'autopsie, je vais lui dire que je sais qui il est. Je ne veux pas lui dire que c'est... Bah mais... Attends, mais pourquoi je fumerais... Attends, je comprends pas. C'est pour le piéger. Attends, je vais faire une sauvegarde parce que là, je suis vraiment pas certain. Ça se trouve, ça va m'enculer ma partie puissance 10 000 millions. Au moins 3 soleils. Je suis pas drôle. Je sais pas si c'est un piège ou pas. Il couffe 20, c'est quoi? Le secret de Visimage de dire vraiment que je suis le boucanier. Et du coup, si je lui dis. Oula, oula! Oui. Oula, il était en train de dormir en l'air. Ah, bonne nouvelle. Vous allez être content, Raymond. Vous êtes vous papa! Le boucanier? Quoi? Il ne nous ennuiera plus. Mais ce n'est pas tout. J'ai rien fait. Hein. Nous allons coincer Javed d'ici peu. Votre famille sera vengée. Quel est votre plan? Si vous proposez votre aide. Alors. Bien sûr. C'est vous qui payez. Ah mais oui, mais c'est parce que je lui ai rendu oui, masse de fric à ce chien, c'est pour ça que j'étais pauvre. Alors voilà, Javed est ennuyé que Boucanier ne soit plus là.
Il ne nous reste plus qu'à jouer sur ce que lui et Kalksten veulent tant. Et c'est... Les secrets magiques de la Tour des Marais. Oh, s'il a les deux dernières cartes, par contre. Et j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Ah, bah non. Bien sûr. Dites-moi tout. Quand j'ouvrirai la tour, récupérez les livres secrets. Ils ne doivent pas tomber entre les mains de Javed. Très bien. On y va quand ? Tout de suite. Nous devons récupérer... Il est 3h du matin. La tour, les livres, les parchemins. Ah, Sumerades pour le wiki. Ah, pas pour Monsieur X. Et comment allons-nous l'ouvrir ? Cette pierre est la clé, ou du moins une partie de la clé qui ouvre la tour. Oh non, il en manque une. Quel déshonneur. Kalksten soit intéressé. Attends, c'est la merde. Je me préfère à affronter Hazard. Mais je l'ai... Il a pas... T'as pas une deuxième, là, vite fait, oui. S'il te plaît. Oui. À plus tard. Okay. Je peux aller parler à Kalksten ou pas? Je pense qu'elle va s'en foutre, du coup, parce que lui, il m'a déjà dit va poser les pierres. Parce que là, du coup, il me manque une seule pierre. Pour activer le Toto. Allez, Toto. Et c'est dommage. Je sais, j'ai, là, pour le coup, j'ai aucune idée comment la trouver, vraiment. Ouais, bah, c'est la pierre du golem qui est au milieu, ouais, mais du coup, comment j'apprends à activer le truc? Parce qu'il y a des éclairs, là, mais... Enfin, tu sais, il y a le truc avec les éclairs, là, mais comment j'apprends à ouvrir ça, moi? Pipou, pips. Oui, pipou, pipou, iki. Que ça me paraît bizarre, ça m'aurait dit d'aller parler à Kalksten, mais peut-être qu'en activant l'avant-dernière elle se débloque, c'est peut-être comme ça, j'ai aucune idée vraiment. Attends, il essaie juste essayer d'aller parler à Kalksten. Je crois que c'est une quête. Bah ouais, mais j'en ai pas de quête en fait là. Je n'en ai vraiment pas de quête en plus. Est-ce qu'il y en a... parce que sinon... Yata active, ouais. J'aimerais bien aller lui rendre sa clé. Parce que j'ai tout fini, en fait, dans le cimetière. J'ai fouillé. J'ai été... j'ai tout fouillé ce qu'il y avait dans la crypte. Du coup, je ferai une sauvegarde avant, au pire, si j'ai une autre quête. J'espère que j'en aurai pas d'autres. Ah, mais faudrait que j'aille pioncer aussi. J'aimerais bien clear un petit peu toutes mes quêtes avant de passer au chapitre 3. Déjà, j'ai peur de mettre softlock sur quelques quêtes là. Ça me ferait chier. Il y en a qui veillent pour que les autres rêvent de merveilles. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il y a un Octul qui attaque en pleine nuit? Enfin, non, c'est. C'est bien sûr, il va pas attaquer en plein jour, sale con, va. Ah, je l'ai tapé avec du rien. Mais attends, mais. Mais c'est quoi cette ville de merde? Après il se bloque au chapitre 3, au pire du coup il rend lui. Oh bah oui, bah ouais, je vais lui rendre du coup. Mais attends, mais... Mec, mais legit, enfin, c'est trop niqué. Littéralement, je viens de sauver le bourg là. C'est tellement chaud un Octul. Ouh, y'a l'ours poilu. En plus là j'ai quelques quêtes qui sont ça me fera jamais pas rire. Qui sont en attente. Enfin genre en attente dans le temps. Salut, c'est Alexeo quoi. C'est pas vrai. Mais si c'est vrai, on fait du Witcher, bien entendu. Bien entendu qu'on continue The Witcher. Mais c'est pas la première fois que t'en tues un ici, je crois. Non, je crois que c'est la seconde, un truc comme ça, genre. Je peux déposer des trucs. C'est vrai que j'ai des pierres, mais que j'ai tellement de farms. En alchimique, c'est un truc de malade. Attends, déjà ça je l'ai lu. Faudra que j'aille le vendre, parce que je m'en bats la race. Alors, je l'ai déposé. Ah, je peux pas les stack. Ah si. Ça faudrait que je le vende. Comment tu parles? Faudrait que je le vende. Alors, ouais, du pain. Délicieux le pain. Tout ça c'est à manger et à vendre. Putain, j'ai masse merde à vendre. Ah mais oui, attends, s'il faut que je les garde les broches allemandes parce que j'en ai aucune idée quand est-ce que la quête va se déclencher. Des ruines de Svarog, qu'à soi. Ça c'est pour baiser. Ça c'est de la coke. Que je vais garder très soigneusement dans mon inventaire.
Et tout le reste, je garde, j'ai des bijoux. Ouais, faudra vraiment que je revende. Plein de trucs à vendre. J'ai jamais le temps. Vous avez 5 5 ou 1 pour que je dorme sur un tapis. C'est une honte, hein. C'est une honte. Vraiment, voilà. Hashtag nous ne sommes pas des taverniers. Ok. Tu peux te lever, s'il te plaît. Ça sert pas de rien. Putain, même pas. Y'a pas du. Pardon, je vais boire, hein. Je vais boire. Hop. Tout à l'heure, j'ai bu du sang de goule aussi sans faire exprès. Ça lui a rien fait. Il a bu sa cul-sec, il a dit bon, ok. Si, si, justement. C'est ce que je disais, Hadès. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Blablabla. Non. Ah si, c'est ça, rechercher. Voilà. Je vais juste attendre. Là, c'est juste attendre, c'est tout. J'ai rien d'autre à faire. Enfin, si, mais... pour cette quête-là, c'est rien à faire. Ok, bon, on va aller dans les marais. J'ai hâte de finir les marais. Alors, par contre, j'aimerais vraiment savoir... tu peux regarder, parce que j'en ai vraiment aucune idée, genre... pour enfants perdus... Vraiment, j'ai l'impression d'avoir fouillé les marais de fond en comble. Ah si, attends, j'ai deux trucs à demander. Enfin, si, déjà, j'ai ça, parce que j'ai vraiment aucune idée. Et il y a aussi... attends, je vais le montrer avant de leur donner, de toute façon... Je pense que ça sera dans un futur chapitre, vu qu'on va le débloquer. Mais je préfère demander quand même, juste au cas où. Ah non, il y a trois trucs aussi. Il y a un truc dans les marais, faut pas que j'oublie. Du coup, voilà, la quête là, le gamin dans les marais, j'en ai vraiment aucune idée. J'ai vraiment eu aucun hint dessus ni rien. C'est chelou. Il y a aussi il y a ça du coup que j'ai vu tout à l'heure. Voilà ça là. Je pense que c'est pour plus tard. Mais je peux donner un truc à la gargouille. Enfin, j'imagine que ça doit être un objet spécial de quête. Mais voilà, pareil, j'ai aucune idée à quoi ça sert. Et il y a aussi les. Bon, je sais, j'irai le montrer quand je serai dans les marais, mais l'espèce de statue là. On peut faire les offrandes. Aucune idée. Ça se trouve, c'est les statues, elles sont liées à la quête de l'enfant. Mais j'ai aucune idée de quoi donner. Précisément. On va faire une petite sauvegarde au cas où si je dois y retourner pour quelconque chose. Hop, tiens, ta clé. Qu'est-ce qu'il vous faut? Rien. Je venais quoi? Rien. Voici votre clé. Alors, du nouveau? Le corps de Raymond repose dans la crypte. Mais je lui ai parlé il y a pas longtemps. Moi, c'était pas Raymond. L'illusionniste, le mais chef oui. de la salamandre, a usurpé l'identité de Raymond. Hop. Voilà. Maintenant, direction les marais. Ah bah c'est fini. Qu'est-ce que c'est? Bah, oh putain. C'est bien en place publique là, à côté du cimetière, c'est tranquille. Ça y a pas trop de chemin à faire. Je vais vraiment pas rentrer ici. Non, je sais pas. La statue de mémoire, si tu donnes de la drogue le lendemain, ça l'échange contre des ingrédients d'alchimie. C'est juste ça, ça rend pas lié à des quêtes. Après, c'est toujours worse, hein, tu me diras. Hein. Yo pipou. Si c'est vraiment, c'est toujours worse, mais. Je perds mon temps. Non, mais. Casse-toi, gamin, putain! Oh, il est marrant ton chapeau. Marrant ton chapeau, on dirait un croissant. Nous vivons dans une société. Tu n'auras pas un denier. Paysan, oh. T'en es dans la quête du gamin perdu. Bah, au début. Au début, mec, j'ai rien fait. J'ai rien fait, j'ai rien trouvé. J'ai promis de ramener le garçon chez lui quand je le retrouverai. Il n'a rien trouvé, personne. J'ai parlé à une vieille, elle m'a dit, oh, il y a un gamin, il est perdu. Moi j'ai fait oui, et c'est tout. Vraiment, hein. J'ai pas fait plus. J'ai vraiment trouvé personne. Je crois qu'il y a même pas d'indicateur plutôt. Mais indicatif, c'est pour téléphone. Ou s'il y en a un, c'est pour amener à Vaca, je crois.
Ouais, y a pas d'indicateur, y a rien. Kouniknik, comment ça, poto? Je vais aller parler au marchand. T'aimes bien ce que tu vois? Ça fait aller. C'est dur, la vie de soldat. Ils sont pas là-bas. Je vais parler pour voir s'il a pas s'il a pas débloqué un truc, lui. Ouais. Non, y a rien. Objet de saphir, ça, ça dégage. Hop, oui. Ah, j'ai oublié de revendre les livres. Dommage. MB. Je peux même pas les revendre de la coke. Dommage. Hop. La petite forme. Oh, pas tranquille. Ah, c'est petit journée de lundi de Pentecôte. Me trompe pas, hein. Non, c'est ça. Où allez-vous? Non mais non, je suis trop con. Amenez-moi. Allez. Oui. Hop. Prêt? Oui. Pas, je vais passer la cinématique parce que c'est bon. Ah, hop. Non, je m'en fous de la vocation, de la petite voguette. Et dis, m'en fous. Gamin se trouve dans la grotte avec le camp de bûcheron. Attends, j'ai pas été. Feu de camp, golem, feu de camp. Ah ouais, c'est les deux obélisques qui me manquaient. Chapelle de Mélitélé. Chapelle de Mélitélé. J'ai oublié. Clairière. Ah, c'est peut-être là le grand bûcheron, je crois. Bah, je vais faire la quête vite fait, du coup. J'ai eu quel... Est-ce que c'est marqué lequel obélisque que j'ai eu? Bah... Ouais, y'a une note in my inventory. Pourquoi? J'ai encore du saindoux et des cornichons de mamie. Oh, quel bonheur. Je sais pas pourquoi ils ont pas été consommés, mais... Ok. Bon, d'accord. Putain, mais c'est pas dans mon... Ah si, je suis trop con. Ah bah, Keter Alien, d'accord. Il m'en manque juste une. Non, ça va. J'ai rien à déposer après. Oublie, c'est au chapitre 3, le gamin. Ah bah, d'accord. C'est pour ça, là. Putain, ça veut dire qu'on va devoir retourner dans les marais. J'aime pas les marais, ça pue, c'est chiant. En plus, je me fais défoncer par des genres de arbres. Les hommes arbres. Hop, on va aller là-bas du coup. Oula. Bricoutier, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Des bûcherons sournois et sans scrupules vivent par ici. C'est un nain qui les commande. Ce racisme, ce soft racisme, je n'apprécie guère, hein. Ouais, c'est ça, et les hôtels, vous des moyens, blablabla. Ouais, flemme de dormir. Bon, si c'est pas lié à des quêtes, m'en fous alors. Ouais, la tête de gargouille, je m'en doutais un petit peu. Mais bon, c'était pour être sûr. Ah ouais, ils sont trop chiants. Enfin, c'est sympa, c'est vraiment sympa de se balader dans la ville. Genre, vraiment. Dans le bourg du chapitre 1, vraiment, c'est sympa aussi. C'est vraiment tranquille. Mais les marais, mais c'est casse-burne. Voilà pourquoi. C'est chiant. Et j'aime pas les marais, ça pue, il fait chaud, moite. On marche dans la boue. C'est nul. Alors que tu rases tout. Tu coules une dalle de béton gigantesque. Tu fais un petit pavé résidentiel. Mais c'est délicieux. Un gros bouclier qui commence chapitre 2 qui se finit dans chapitre 3. Oh, bah, ok, tranquille alors. Après, je pense que pour le 100%, c'est pas... Enfin, ils ont aussi prévu ça, que tu puisses un petit peu finir sur toute l'assemblée. Alors si, il y a un truc qu'il va falloir que je fasse, c'est la guerre, en fait. Parce que j'ai pas de quête, pour l'instant. Mais je peux la faire. Je peux déjà la faire, la guerre. Qu'est-ce que c'est? Et j'ai aucune idée de quel camp choisir. J'ai l'impression d'avoir écouté aucun camp, enfin, d'avoir écouté aucune des revendications des deux camps, genre vraiment, à l'heure actuelle, mon perso, il s'en tape le coquillard, quoi, vraiment. Oui, j'ai utilisé une expression de personne de 45 ans, minimum. Le vieux sortilège fonctionne encore. Ok, donc il n'y en a plus qu'une. Donc là, c'est la merde. Pas un petit bout de nichon de... vite faire en partir, là. Madame, mademoiselle. C'est pour les copains, oh là là.
Faire croquer? Même pas faire croquer. On se casse. Ils sont où les gougous? Les gougous, les gougous, les golems. Ils sont là, ok. Parce que là, là du coup, bah, il manque une pierre, je sais pas où ils sont. Attends, est-ce qu'il y en a là? Peut-être montrer à quoi ça ressemble, même si je... je pense que je dois être le seul à y jouer. Il y a quelqu'un qui peut regarder les Steam Charts de The Witcher 1 pour voir combien de personnes y jouent? S'il vous plaît. Bon, il y en a pas là, dommage. Ça doit être des chiffres magnifiques. Je parie sur moins de 100. Hein. Je place mes deniers là-dessus. Je suis chaud. J'y crois. Si c'est 1000, c'est une aubaine. Alors, c'est quoi la question? Les Steam Charts de The Witcher 1. Même, je peux pas les activer, moi. Si je t'aime ça ou quoi? Ouais, mais là, ce serait les pylônes. Enfin, ouais, mais j'ai... J'ai aucune indication pour les pylônes. Sentinelle est une quête du chapitre 2 qui commence quand Kalshen demande à Gérald de discuter de la tour d'image avec Vaska. Elle lui dit ce qu'elle sait et lui donne une carte de tarot dont elle n'a plus besoin. Cette carte révèle comment vaincre le golem qui détient l'une des clés de la tour. Ah! Bah. Bah. Oh, merde, non, pas ça. Bah. What is this trickery? Liste de suspects, liqueur, journal, journal de mémé, du saindoux, un mordant d'arrêt, des boîtes de clés, des clés, une boîte de dés, clés, un livre à la con, ouais, un autre livre à la con, info de Kalshen. Bah, tu peux les lire? Ah, d'accord. Non, bah j'ai pas tant, je vais aller reparler à Vaska du coup. J'imagine que tu peux pas l'activer avec la chatte en plus. Ça doit être 100%. Hop, je vais prendre un petit peu d'énergie. Ça doit être 100%. Fais voir la carte du monde vite fait. C'est longtemps que j'ai pas vu. C'est pas vrai, au début c'était là. C'est tourné là. Non, au début c'était là, pardon. On a fait ça. Et on a fait ça. Pas mal quand même, hein. Ah, la map. J'espère que... Attends, je... Oh, putain, j'espère que je peux devoir retourner en ville. Oh, ça me saoulerait de devoir retourner par la cachette. C'est ce que j'avais dit que j'aurais dû le refaire. Je crois que ça... Attends, bah du coup... Faudra que j'aille parler aussi à la meuf, du coup, parce que je crois que je peux pas les ramasser encore les... Oh, mais cassez-vous, vous. Attends, juste regarder un truc vite fait dans mon journal... Est-ce qu'il y a du bidon? Bah non. Ah non, non, glossaire, pardon. Bah non. Formule, je m'en fous. Le bestiaire, je m'en fous. Stylo aussi, ça. Bon, bah non, ok. Bon, faudra que j'aille reparler à l'elfe. Avec grâce à elle, je peux cueillir du bidon du coup. Et je crois que j'avais pas encore lu le livre pour comment faire. J'ai l'ordre des poteaux au pire. Attends, je vais essayer de lui parler. Ça se trouve, Oh, mais ça c'est trop fort. Hein. Je sais vraiment pas comment la vaincre à l'heure actuelle. Je pense que ça c'est vraiment chapitre 3. C'est quoi d'ailleurs? Les cocaxidumes. C'est vraiment trop fort. Bah oui, mais c'est pas ça que j'attaque. Il est où mon site d'énergie? On m'a volé mon site d'énergie? Mais non. Mais j'y crois pas. Mais mon site d'énergie. Mais mon site d'énergie. Mais bande de bâtards. Mais vas-y, bah c'est super. Moi qui voulais m'infuser un petit peu.
Ok. Mon mémé, faut qu'on parle. Aurais-tu omis des informations au sujet de ma quête? mon site d'énergie s'est vendu par des aliens. Putain, ils vont faire un toucher rectal à mon site d'énergie. Je crois que c'est trop tard, non? Les seigneurs. Ah non. Alors, ah non, d'accord, il fallait juste que j'aille lui reparler. Un alchimiste du nom de Kaeksten prétend que vous en savez long sur le mage de la tour et sa sentinelle. Un mage puissant. Ouais, bah ça m'a pompé tout mon fric, hein, Adès. J'avais 2000 presque et j'avais. J'étais pauvre, quoi, au dernier stream. Change à tout. Un vrai début de conte de fées. Mais pas à la même fin, car c'était une mauvaise femme. Salope. Il assouvit ses moindres désirs et elle abusa. Cette femme. Et oui, c'est reparti. Continuez. L'aveuglement de l'amour causa la chute du mage. Il en appela à des forces qu'il ne pouvait maîtriser et mourut. Qu'advint-il de la sentinelle? La maîtresse du mage pouvait prédire l'avenir, et le mage lui offrit un extraordinaire jeu de tarot. Il illustra chaque carte d'un événement à venir. Et? Les golems gardent la demeure du mage. Ceux qui ont survécu j'adore au ravage son... du temps vivent. Je sais pas vraiment comment le décrire, l'un mais. La sentinelle. Son attitude ouais. est excellente, j'aime beaucoup. Faisait office de sentinelle. L'une des un genre de semi-connard en fait dans l'approche, j'aime beaucoup. Alors seulement la tour sera rouverte. J'ai rien su. Carte, je n'en ai plus besoin. Qui lève la main contre les seigneurs de l'eau perdra sa main. Oui. Non, j'ai levé ma main, mais bon, on dirait presque moi quand je parle à des gens dans ma vie. Oui, bah, sans le charisme de Gérald, bien entendu. Fais pas genre que tu que tu parles à des gens avec un charisme tel menteur. Alors du coup, faut que j'entende en ville, j'en ai marre, putain, j'en peux plus. J'en peux plus sérieux, j'en ai marre. Ça va me coûter 10 balles encore. Gérald dans un aussi charismatique que moi. Oh, ça va, il est haut. On va dire que si on fait un 1v1 oratoire, il est pas mal, il se défend le garçon. Bon bah du coup, faut que je retourne en ville. J'en ai plein le cul. Ah putain, fais chier. J'ai pas envie de me softlock en trichant. Du coup, bah, je vais payer. Hein. Je vais payer. Putain, on peut pas pêcher, c'est dommage. À nous. Quoi? Amenez-moi. Allez. Putain. Super, ça me coûte tellement d'argent. Alors que j'ai un truc pour me TP, mais c'est lié à une quête et je peux pas le faire. Kill me, please, senpai. Il y a beaucoup, y a beaucoup d'allers-retours. J'en ai déjà fait énormément. On s'en rapproche de la fin, hein, mais j'aimerais bien plus en avoir à en faire. Mais alors, il y a un truc que j'ai vu, que j'avais déjà dit, hein, mais. Pour un jeu qui date d'il y a plus de 10 ans, cette mécanique de pluie là, je crois que je le répète à chaque stream quand je le vois, mais ça me met vraiment sur le cul. Genre, pour un jeu comme ça, aussi vieux, je trouve ça vraiment impressionnant. Vraiment, les gens qui courent pour s'abriter de la pluie, c'est tout con, mais je trouve ça vraiment impressionnant. Je trouve ça ouf. On dirait pas, hein. On dirait pas comme ça, hein. C'est de la merde, hein. Mais c'est, j'ai l'impression que c'est rarement fait déjà pour les NPC comme ça en masse. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Ah, voilà, bah s'ils le font même plus dans le 3, big sad. C'est pour l'époque, je trouve vraiment ça impressionnant. C'est pour ça que j'aime autant le jeu. Le truc, il est quasiment mon âge, tu sais. Bon, pas encore, mais il est giga vieux et pourtant, bah, il tient bien la route, quoi. Et il y a des trucs qu'il a pas sur des jeux bien récents. Je trouve ça vraiment super impressionnant. Ah bah ouais, non, bah pareil, hein, Nick, hein. Presque son âge, non, bah j'ai 13 ans depuis 7 ans, moi, Hoffman, bien entendu. Les yeux m'ont fait un peu peur, je vais pas mentir. Il faut que je reprenne cette forme. Non, faut qu'on parle. Au sujet de la tour,
Oui. Oui. Vaska m'a aidé à trouver la carte de tarot de la tour, qui explique comment réveiller la sentinelle. Voyons cette carte. Intéressant. Tout est dans l'interprétation, okay. Mais je crois comprendre le message. Rien de tel qu'un alchimiste pour comprendre un autre alchimiste. Éclairez-moi. La sentinelle ne peut être réveillée que si elle se trouve près de la tour. C'est le cas. Et il faut un paratonnerre. J'écoute. Un paratonnerre ? Le dessin décrit un homme portant une couronne qui pourrait bien renvoyer au roi Hermann le Fol. Je sais pas qui c'est. Qui est Hermann le Fol ? J'ai envie de savoir. À chaque orage, Hermann avait l'habitude de monter dans sa tour et d'insulter les dieux. Oh ! Une faction hostile. Des masterclass, je crois qu'il fait un peu d'orage. Règne en ôtant le paratonnerre de la tour. Une anecdote très divertissante. Il vous faudra un outil capable d'attirer et conduire la foudre. Un genre de parapluie en métal, peut-être. Un bon forgeron pourra vous en fabriquer un à un prix raisonnable. Oh, bordel de merde. Il nous faudra un orage. Et là, j'admets que j'ignore comment forcer la coopération de mer nature. Quel nom plaisir, surtout la qualité pour ses 60 plans, ses empêches. J'improviserai. Ah, coup dur pour la côte-mère d'Offman, coup dur. Attachez le paratonnerre sur la sentinelle. L'énergie de la foudre ranimera le golem. Et ensuite ? Aucune idée. Ouais bah c'est bon, il va pas te manger non plus tout le travail. Si vous tuez le golem, vous pouvez fabriquer un élixir très rare avec son cœur. Voici la formule. Oh yes. Ça reste à voir. J'ai perdu le fil de mes pensées. On est encore dans un dialogue du jeu, hein. Si tu pouvais... T'as quoi avant ? Putain, je peux toujours pas lire les livres. Sale chien, de l'ail. C'est bien d'avoir la fibre. Ah, le futur. Le futur fibral. C'est dégueulasse. Dit comme ça, c'est dégueulasse. Au moins les visages ont l'air plus variés que dans le 3. Ah bah ils le sont hein, pour le coup. Hein. C'est pas non plus sur chaque NPC, mais c'est pas mal varié. Ouais. Surtout qu'il y en a qui ressemblent à rien, donc ça varie pas mal. Ouais, ça varie pas mal. Ah bah la fibre c'est pour les PD. Menteur, t'es juste jaloux. Bon, va falloir dépenser du fric. Putain, j'aime pas dépenser de l'argent. C'est chiant dépenser de l'argent. Tu vois, toutes les prostituées se ressemblent. Oula. Ça... Elles vont bien tes frames, madame? Oula, non, elles vont pas bien. Je ne sais pas. S'il te plaît, coûte moins de 500 balles, je t'en supplie. Coûte moins de 500 balles, vraiment. Toutes les pites du jeu ont la même tête dans The Witcher 1, dans le 3, t'as beaucoup de variations de visage, mais c'est assez léger. Ouais, mais c'est tranquille, hein. C'est pas non plus là, tu craches dans la soupe. Hein. Les meufs dans The Witcher 3, ça va, hein, c'est assez... C'est assez disparate, hein. Oh, t'as vu les mots que j'utilise? Pour faire des streams, ça me sauve. Tu m'étonnes. Merde, attends. Oh, je sue du dos. Oh, putain. Est-ce qu'on entend si... Attends, si je fais ça. Vous l'entendez ou pas? Vous l'entendez beaucoup? Ou pas, surtout? Si vous l'entendez beaucoup, je le coupe. Si vous l'entendez pas du tout, c'est tranquille. Léger. Ouais, mais léger chiant ou léger tranquille? On m'entend beaucoup trop. Non, tu parles pas, toi. Tu n'as pas de voix, en fait. Tu écris sur un clavier dans un chat. Espèce de malade mental. Attends, je vais le laisser, du coup. On l'entend trop beaucoup. Mais non, Nictaras, il fait chaud. Je t'en supplie. On l'entend pas. S'il te plaît. Bon, bah, je vais l'éteindre, alors. Putain, vas-y, j'ai tenté, mais j'ai chaud de ouf. Putain! Adieu. C'est ce que j'ai envie de faire! Au diable la coexistence pacifique! Attends, alors. Ouais, mais. Juste que je lui demande de fabriquer un truc? C'est mais comment Gérald Témoin, je lui demande comment il stoppe des meufs high tier pour l'époque. Bah, c'est juste parce qu'il a un background, une histoire. C'est. Vraiment, hein, pas plus! Zoltan dit du bien. Faisons affaire. Si c'est pour acheter, adressez-vous à mon apprenti. C'est littéralement parce que c'est un sorceleur de avec des gros abdos spéciales. Et qui peut pas avoir de maladie, c'est tout. Et qui est super fort en combat. Ça joue peut-être hein, énormément. Oui, bon, allez, d'accord. Vous pourriez fabriquer un paratonnerre pour moi? Un bateau? Oui, aussi, et qui nique métal. Super bien. Oui, bon, allez, hey, c'est bon. C'est. On les utilisait déjà à Mahakam, alors que les humains vénéraient encore les orages. Si bien baiser, ça devait jouer, ouais, oh. On serait pas sorti de l'auberge. Pouvez-vous me fabriquer un paratonnerre? C'est un affront, vous avez perdu l'esprit. Je peux en oh faire yes, un ça me coûte que dalle. Marché conclu. Ah bah pour l'époque, être anti-MST, c'est un plus. Hein. C'est bon? Non mais c'est bon, oui, c'est bon, je suis riche. Et à quel sujet?
Je viens pour le paratonnerre. Voilà, oui, donne-moi ça. Il est prêt. Ça voilà. Fait 50 orins. Bon, ça fait cher pour un bout de métal, mais... 50 orins, comme convenu. Ouais, je vais voir les druides... Putain, encore ? Je vais voir un druide dans le marais pour trouver un moyen d'y provoquer un orage. D'accord, ah ouais, c'est vraiment une quête longue de ouf. Après, je me suis beaucoup branlé les couilles aussi... Avant d'y arriver ici. Possible. Attends. Pas de la thune là. Fuck. Silex. Oiseau de mauvaise augure. Ah, c'est pour la sortie. C'est pas comme ça que le linge de la voisine va. Mais tu vois, c'est la peine d'arroser. Je trouve vraiment ça trop cool. Surtout qu'il pleut tout le temps en plus, on dirait la Picardie. L'économie n'est pas la même si 50 euros c'est beaucoup pour toi, mais moi 3 euros, 50 euros pour moi c'est énorme, c'est énormément. Hein. En même temps tu parles à un étudiant. Hein. Chaque centime est important. Après aussi si Blazier Nefer et Mary Gold sans problème, c'est parce que dans le lore des Witcher les sorcières sont éventuellement attirées entre eux. Oui non mais c'est des chaudières aussi, c'est des genres de bonbonnes. Donc ça c'est pas compliqué. Hein. C'est surtout que c'est pas... En fait, dès que t'as un pouvoir magique qui est de ne plus pouvoir avoir d'MST ou d'enfant, c'est des lapins, c'est juste des lapins et des bonbonnes. C'est tout, vraiment. Et je ferai pareil, hein, bien entendu. Amenez-moi deux. Allez. Tu devrais arriver au château. Ouais, 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 bien, ouais, bah j'espère, hein, Hades. Hein, normalement, là, on est vraiment bien parti. Dans les marais. Après, Gérald, c'est le moins moche. Oh mais ses potes ils sont pas moches non plus hein. Bon pas son pote qui s'est fait arracher la gueule même s'il est giga stylé. Mais l'autre là le connard un petit peu. Il bégeait un peu. Un étudiant ça se passe bien l'étude de la L1 pour la 3ème année. Eh normalement j'ai validé ma L1. Du coup je suis officiellement bac plus 1. Enfin non je suis pas officiellement, je suis officieusement. Officieusement je suis bac plus 1. Je suis en 3ème année d'études de LEA. En anglais et en russe. Je n'ai pas à passer Parcoursup. Mais je dois payer 100 euros chaque année maintenant. Pourquoi il y a un UFPS? Je suis pas accusé depuis 3-4 ans. M'en fous. Soon to be me. Et j'ai le seum. Normalement, j'aurais dû être pas plus 1 l'année dernière. Mais, il y a eu quelques soucis. De type, je n'ai pas vu. Voilà. Que j'ai corrigé cette année. C'était quoi ça? Mais passons. Putain, enfin du Skyrim. Eh oui. It's a Skyrim with 3 épées. Et un bon jeu aussi. C'est... Ah, c'est toujours ça qui est sélectionné. Et il est toujours pas apparu, hein, mon site d'énergie. C'est, j'adore. Non, je suis pas pris là-bas. Attends. Cercle des éléments, ça se trouve que j'avais parlé au vieux con. Mais la quête en fait. Ouais, voilà. Bah. Tu peux me la mettre. Voilà. Hop. C'est ça ou quoi, Gazmoutarde? Comment vas-tu? Non, je m'en fous, je vous parle pas, j'ai pas envie. Vraiment, j'ai pas envie. J'ai la flemme, vous me saoulez en fait. Je suis plus ou moins bon au niveau des levels. Coucou Bana, comment ça va? Merci pour le resub. Ça fait plaisir. 23 mois, dis donc. Ça fait... Bah ça fait quasiment 2 ans. Dans un mois, ça fera 2 ans. Le temps passe vite, bordel. Merci beaucoup, Bana. Ah ouais, bah ouais, non, ça commence à faire, en vrai. Putain, ça me rajeunit pas, tout ça. Bordel de merde. Écoute, ça gaze et vous. Bah moi, ça va pépère, hein, ça va pépère. Aujourd'hui, c'est tranquille. Le futur va être tranquille aussi. Non, moi, ça va tranquille. À la fin du mois, en plus, on va pouvoir se boire des bières ensemble. Si je ne m'abuse. Donc non, ça va être bien, ça va être bien. Le futur s'annonce miséricordieux.
J'avais un bingo, c'est tombé sur miséricordieux, bon, fallait que je sorte. Voilà, tout pareil. Bon, messieurs, il faut qu'on parle. Elle est là, madame. Oh oui, elle est là, madame. Messieurs, il faut qu'on. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Ça va, madame? Oh, oui, oh là là. Oh oui, oui, parlez-moi. Parlez-moi. Non, vas-y, je m'en fous. Oh, tu es dommage, oh là là. Allez, me casse. Non, c'est des petites maps, Atama. C'est cool, je préfère, moi. Attends. Tu vois, c'est des petites maps. Enfin, petites maps. Ça prend une ou deux minutes hein, à faire en long. Enfin, en comme ça ou en comme ça, tu vois. Mais c'est cool, j'aime beaucoup, moi, ce genre de petites maps. C'est pseudo-monde ouvert. C'est un monde ouvert cantonné. Du coup, enfin, c'est plus ou moins des niveaux, en fait. Et j'aime bien, c'est cool. C'est des niveaux qui sont avec des quêtes entre elles. Et j'aime beaucoup. Le cercle d'énergie rend le sol fertile. C'est à qui il faut que je parle là? Mais ils sont tous en vert, les druides. Ah, vieux druide. Qu'y a-t-il? Encore une arme? Les druides contrôlent les forces de la nature, non? Non, c'est plutôt nous qui vivons à son rythme. Mais passe-moi tes jérémiades. Mais vous dressez des animaux et vous savez faire éclater un orage. Non, enfin, si, mais pas par la contrainte. Disons qu'il me faille une tempête. Lui, il voit le futur. Hein. Je te le dis, il voit le futur. Sans doute. Mais enfin. Je suis prêt à payer. Appelons ça une. Non, mais non. Mais non, mais j'avais pas entendu. Oh, non, mais non. Mais vous me. Oh, bordel de Dieu. Oui, ça fait beaucoup. Et pourtant, il faut bien. Mais tu manges de la nature, frérot. De quoi faut bien vivre? Tu vis dans un bosquet. Est-ce que je dois te sortir la définition de bosquet? C'est une forêt. Bordel, de quoi 500 balles? Tu payes pas de loyer, espèce de gueux! Tu es un clodo de la nature, tu sais tout. Ton métier se résume à être un clodo de la nature. Putain. Et voilà, je suis pauvre. Revenez lorsque vous serez prêt. Mais je suis prêt! Tu vends des trucs? Je peux te vendre mes livres? Ah, je peux te vendre du pain. Ah super, ça m'en bat les couilles, frère. Putain, je vais être pauvre en plus. Ouais, 300 balles. Bouffeur de salade. Il me saoule. C'est toujours... Et pas un or. Mais un nature tient à ses marges bénéficiaires. Ne prenez pas le sacré à la légère. Et voilà. Et voilà. Putain. Attends, je peux pas le payer du coup. Je l'ai vanné, je peux pas le payer là. T'es sérieux? Qui a-t-il? Non mais oui, bah oui du Voici coup. Voici 500 orins. Je veux mon orage. Ce n'est pas si facile. Il va se payer des enfêtes, mais je peux lui donner gratos, j'en ai des enfêtes. Il domestique les orages avec des bornes en pierre. Oh putain. Oh, j'ai hâte d'aller chez le coiffeur d'ailleurs. J'y vais demain là. 3 mois que j'avais pas pu y aller. Oh, ça va être la délivrance. J'en peux plus, sérieux. Attends quoi? Vas-y, il me signe les orages avec des bornes en pierre. Okay, je guetterai les nuages annonciateurs de l'orage. J'ai cerné vos intentions, sorceleur. Et je vous préparerai des élixirs que vous feriez bien d'absorber. T'inquiète, je vais le faire. Vous en aurez besoin. Je comprends. Sans élixir, un sorceleur n'est que la moitié de lui-même. Ah, mais j'ai pas de mulet, t'inquiète. J'ai pas une. Moins 500 euros, hein, ça se. It hurts in the eyes and in my heart. I am hurt. Aïe aïe aïe. J'ai pas de coupe mulet, même si ça serait très rigolo à voir, je pense. Non, j'ai juste une genre de gigantesque touffe qui est affreuse. Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir une coupe afro. Oh, ça me ferait taper des barres. Bon, ça marche pas vu que je suis blanc, mais... Oh, ça serait trop bien d'avoir une coupe afro. Vraiment, hein, ça me ferait trop gaulerie. Non, mais là j'ai des cheveux qui poussent, hein, au-dessus. Mais j'ai des genres de grosses touffes sur les côtés et derrière. Et ça, c'est... Ça, je peux pas. Ça c'est vraiment Il me les a donné d'ailleurs Il m'a rien donné le chien. Il m'a rien donné, attends je vais lui parler. Je vais me faire virer du taf, il ne voit rien en fait. Bah attends. Mais il travaille pas ici lui. Mais monsieur barrez-vous. Mais non mais tu. Ah bah non, si t'étais pas là à l'anniversaire, j'allais dire tu m'as vu mais quand tu me vois, j'ai pas trop envie de copuler. Attends, ils sont où les vieux?
Faut parler. Ah non non, mais là la moumoute, j'en peux plus. Là je vais arriver demain, tu vois. Ça va me dire ah monseigneur, c'est comme ça que m'appelle ma coiffeuse hein. Bien entendu. Monseigneur, que voulez-vous? Là je lui dirais alors tu prends ta tondeuse et tu me fais un dégradé en 3 de 1 mm. Et là je vais manger tellement bien. Ça va me faire que du plaisir. Tu peux me donner des potions? J'ai commandé un orage. Pas mal. Effectivement. Qu'y a-t-il? Ah, c'est tout. Donc je est-ce que je vais potentiellement me faire enculer? Je vais me faire enculer, d'accord. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, bah, c'est cool. Si j'étais là-bas, voilà. J'ai absolument pas une goutte bleue, espèce de menteur. Ah, bah, c'est ça, voilà, regarde. C'est ça du Fine Weed. Du coup, c'est des plantes violettes. C'est un parterre, ça se voit, mais. Je sais pas comment j'ai fait pour les louper au début. Oh, je devais être claqué. Ou alors ça se trouve ça avait bugué. Et moi que ça avait bugué. Ça me sonnerait pas en tout cas. J'attends de mercredi 9h du mode. Bah ouais, bah non mais j'y vais demain. Mais j'ai pas pris le rendez-vous cette semaine hein. Non non, mon rendez-vous il est pris depuis la fin du confinement hein. Depuis le 12 mai. Enfin le 13 mai, je crois que j'ai appelé depuis le 13 mai, vraiment. Donc ça fait un mois j'attends. Je n'en peux plus. C'est vraiment. Attends, ça m'a donné des indications du coup. Avec le cœur nagolet, mais. Je m'en branle la bite. Ok, je dois passer le paratonnerre. Attends, alors petite sauvegarde. Petite sauvegarde. Hop, voilà, petite sauvegarde. Ensuite, petit breuvage de potion. Est-ce que j'en ai? Est-ce que j'ai des potions cool? Bah ouais, je vais boire ça. D'asséner un coup critique. Ah, je vais boire ça d'abord. Perso, ma coupe de cheveux s'appelle Sabot 13 mm. Ça va, c'est tranquille, même pendant le confinement. Ah ouais, bah toi, t'es tranquille. Et surtout si tu traces tout le crâne, pépère. Là je t'avoue que là j'aimerais bien me faire pousser les cheveux juste ceux du dessus. Mais j'aimerais bien me les faire pousser juste pour voir ce que ça peut donner. Putain, j'ai pas d'autres potions. Ah c'est la sauce un peu. Ah c'est la sauce. Ah c'est pas ouf. Va falloir que je le fume vite. Ah, déjà je vais boire. Pour cette heure, je vais pré-manger, je crois que c'est... j'ai 10 minutes de heal. Ah, j'ai testé la boule à Z il y a quelques années maintenant. C'était des bains. C'était bien, ouais. Hop. Ok. C'était dans sa main, hein. La quête disait dans sa main. Hein. Mais tranquille, pas de problème. Et Zébardi! Ma play skinhead classique. J'aurais pas aimé être à ta place. Oh, il est beau! Oh, il est beau, bébé! Oh, ouais, dans le 1, les potions, c'est vraiment indispensable. Hein. En tout cas, ça aide vraiment énormément. J'essaie de pas trop parler pour écouter l'OST aussi. Non, il faut frapper un jour quand même. Il perd pas de vie. Je lui fais du 1. Comment ça je lui fais du 1?
Mais attends, mais c'est... Bah oui, j'ai la bonne épée. Avec l'argent, je me commande des monstres. Inefficace contre les... Ah. Bah oui. Si, c'est bon. Comment ça se fait? Mais attends, mais il va m'enculer. Mais attends, mais... J'ai pas de potion en plus. Enfin, c'est trop bizarre. Je vais augmenter mes dégâts, mais je sais pas si ça va faire grand chose. Hein. En plus, j'ai des frappes critiques. Mais non, mais mec, ça, je fais du 1. Ah, faut activer les poteaux. Ah, mais oui, putain. Bah oui, non, c'est logique. Je vais attendre qu'il soit au milieu. Ok. Alors j'ai pas vu s'il a fait des dégâts, mais Oh oui, ah oui, ça lui fait masse dégâts, dis donc. Bon, moi j'ai mis les potions pour rien, mais au moins La musique est pas transcendante, mais elle est sympa. Là, ici, oui, c'est bien. Il faut pas danser la cucaracha. Ici, oui, c'est... Oui, oh là, elle galère un petit peu. Et voilà. As off. GG généreux. Ok, en plus, je vais pouvoir craft la potion. Oh, il est beau. Non seulement trouver la pierre de Sephira, blablabla. Eh bien, on avance! Pardon. Ah non, là, c'était du 450 par coup de 450. Mais attendez. Ah non, j'ai moins de... Pardon. J'allais dire le mime avec Biga, il doit être giga fort, mais non, en fait. Tu me les indiques ou... Ah non, mais c'est déjà indiqué sur la map. Il est... Parfait, en plus je vais pouvoir aller. Avant de le faire, je vais juste aller voir l'autre pute. Juste pour pouvoir choper des bidons. Ouais, ça c'est une bonne chose de fait. Ça fait un bail que j'attendais de les combattre en plus. Bah ça avait l'air jouable, mais ça avait l'air plutôt long. J'ai pas de bouffe. Mange ça. Mange une grosse myrtille. Il n'y a pas le temps de se défendre. Ouais, mais à coup de 1 de dégâts. Alors, je suis un homme très patient. Vraiment de nature très patiente. Mais là, c'est chaud. Même grind sur un MMO japonais, c'est moins chiant. Je pèse mes mots. Oh, c'était pas par là, je crois. Si. Non, c'était pas pour la putain. C'est ça qui est dommage. Par contre, ils ont un petit... Je sais pas si c'est à cause des capacités de l'époque ou juste parce qu'ils avaient la flemme. Mais en gros, ils ont un petit peu terraformé la map, tu vois. Genre là, tu peux pas traverser, tu vois. Ça, c'est un peu dommage. Oui, frappe-moi, c'est ça, allez. Avec tes petits bras là. Non mais laissez-moi passer par contre. Laissez-moi passer. Ah, ok, on va gratter. C'est bon, ok. Alors j'explique toujours pas les bruits de singes. Ça... Petite envie, hein, mec. Ils avaient un petit... un petit fichier son de singe, ils ont fait, bon allez. Let's go. Ouais, c'est que des petits chemins, ça c'est chiant un peu. Genre là, tu vois, j'aurais juste pu traverser, mais non, ils ont voulu fermer la map. Attends, mais dis pas que je me suis encore trompé. Non, là, ça devrait être bon. Tu vois, c'est des trucs comme ça, c'est chiant.
C'est littéralement... Alors, derrière la tour cassée, tu trouveras le camp. Quoi? Mais il est où? Mais c'est où? J'en profite pour dormir un petit peu aussi là-bas. Et craft des potions. J'aimerais bien être full vie. En plus, il te suit sur des kilomètres. Ah bah, même pas besoin de les fumer. Enfin, littéralement de les fumer. Je peux récupérer les restes? Ouais. Est-ce que je les OS? Ah non. Je pensais que ça avait... Ça, j'avais déclenché l'animation de... De one shot, mais pas du tout. Hop, je prends vos cerveaux là, délicieux, miam miam miam. Hop. Alors ça par contre, objet à dépecer disponible, aucune idée de ce que c'est. Vraiment, hein, aucune idée de ce que c'est. Alors il y en a aussi là, voilà. Je les avais vraiment pas vus. Je suis passé trois fois dessus, mais je les avais pas vus. Attends, je crois que je vais éternuer. Non, c'est bon. Où ils sont tous passés? Pourquoi y'a plus de nains? Mais pourquoi ils sont deux Scoia'tael, je comprends pas. Normalement, il y a... Humain. Bah c'est gratuit ça un peu. Super. Après elle a probablement pas totalement tort non plus mais Mais c'est gratuit hein. C'est clairement gratuit. Mais oui oui elle demande des fleurs qui poussent à l'intérieur du camp. Enfin c'est complètement niqué. Tout ça pour t'apprendre à... Oh, c'est quoi ça? Ah, mais je peux pas les faire, les huiles. Vermillon, vermillon, petit poteur. Ouais, non, je peux pas. Et ça? Ça, par contre, je peux. Graisse de bœuf, j'ai pas de quête. Les gars, réfugiés au charognard. Oh, ils sont jolis les petits PNG. Oh, j'aime bien. C'est mignon. Oui. Attends, j'ai pas d'alcool là? Non, jure, j'ai pas d'alcool par contre. C'est Xuxo ou quoi? Suive de chien, j'en ai besoin. Ah, mais si, j'ai de l'alcool. Non, mais casse-toi toi. Ah, bah non, j'ai pas d'alcool. Bah là, ça va mal en fait. Ça va mal parce que j'ai pas d'alcool fort pour faire ma base. JPP. Putain, fais chier. Sinon, avant ça allait bien, avant ça allait vraiment bien, mais... Alors c'est quoi, du coup, il faut... J'ai tout, mais j'ai pas d'alcool, quoi. Putain, fais chier. Faut que j'aille en acheter. Ce qui ne m'enchante guère. Non, merde, 18h. Je suis à 110% qui... Non, non, mais moi aussi, hein. Vraiment, hein. J'ai ratiboisé le camp en regardant par terre et j'y étais pas, hein. Surtout que je suis certain d'être passé ici. Vraiment certain. Et ça m'a pas demandé de les cueillir, hein. Après, j'avais pas la compétence pour les cueillir encore. J'avais pas lu, je crois. C'est pas elle qui te la donne, en plus. Non, c'est pas elle qui te la donne. Mais je suis certain de qu'elles y étaient pas, hein. Ouais, je sais que c'est la base, mais bah, malheureusement, je... bon. Tu peux me dire que je puis pas, s'il te plaît? Ok, parfait. Comment ça? Certains de nos héros, avez-vous... Oui. La haine... Montre. Là, et là, je m'attendais à la baiser. Vraiment, voilà. Non, pardon, une seule, hein, oui. Hop. On peut donner un cœur de golem, mais foulu. Vous. Voilà, et là, tu dis pas vraiment. Pas vraiment. Mais je sais reconnaître certaines plantes locales. Elle a dit, ah bah ok. Je peux vous décrire l'ubidante. Voilà. Et là, j'ai un petit peu déchanté. Là, je me suis fait, ah, tout ça pour ça. Bon, let's go. Du coup, on va faire la quête. Attends, range un peu mon inventaire. C'est quoi ça?
Ouais, mais je m'en fous. Bon, ça faudrait que je le vende. Ça là, mettre ça là, parce que je m'en fous. Ça là, là, et là, ça doit pourvoir dans le noir, je crois. Mais j'ai de l'hydromel. Ça marche pas. Ça marche pas. Chier. Là, j'ai du bon vin. Ah, j'ai plein de très vieux vin en plus. J'ai énormément de vin, c'est chaud. J'ai de l'eau en bouteille. Ok, faudra que je vende mes têtes de yinche aussi et mes peaux de loup. Juste pour ça, tu devrais aider les humains lors de la guerre. Mais enfin, j'imagine qu'on en saura plus dans le chapitre 3, non, au niveau de la guerre. Parce que j'ai vraiment... Là, j'ai vraiment aucune info, quoi. C'est chaud. Alors que je peux m'allier direct, mais j'ai aucune info. Je crois que j'ai aidé vite fait un petit peu les deux camps pour des quêtes vraiment de bas étage. Mais le reste... C'est dur, Amtuzao, quoi, poteau. Et hop sont en place. Et oui. Mon médaillon vibre comme un fou, donc le sort doit fonctionner. La porte de la tour doit s'ouvrir. J'ai hâte de voir la réaction. Non, je me casse, tiens. Je dois rentrer dans la tour et vaincre le faux Raymond. Et c'est Bardi. Et je suis à côté en plus. Quel bonheur. Bon, je suis pas full vie, mais je pense que je vais l'enculer, Raymond. Allez, ne bougez plus. Tu vas faire quoi là? Bon, attends. Tu m'aides ou tu m'aides pas? Faudrait savoir. En somme, je me suis dit, on avance dans les quêtes, ça fait bizarre. Eh, je t'emmerde. Eh, on a avancé la dernière fois dans les quêtes aussi, espèce de bâtard. C'est juste qu'on était dans le mood de la quête. Pourquoi j'ai objet à dépecer, je comprends pas. Pourquoi? Attends. Je comprends pourquoi. Pire son contrôle, les boutons gauche pour diviser le tac, les droits pour l'utiliser. Mais pourquoi? Mais je comprends pas, c'est quoi le principe? Pourquoi tu veux que je dépasse des langues? C'est déjà fait? Je comprends pas. Attends, je suis désolé, mais l'été n'a pas voulu... Oh, on est en été. Été ou fin de printemps? Oh, c'est la même chose de toute façon. Actuelle. En tout cas, ça me laisse pas de répit. Mais oui, mais en plus, c'est parce que j'étais juste attiré par l'appât du gain. Que je n'ai pas eu. Vous n'êtes pas impatient. Mais là c'est bon, là c'est fini ça. Je préfère me concentrer sur ma mission. Est-ce que je dois rapporter le livre de la tour? Oui. Kalkstein ne doit pas prendre de l'avance. Je m'en suis déjà assuré. Ah mais il est déjà mort en fait quasi. Ok, let's go. Je vais sauvegarder vite fait. Parce que je sais pas ce qu'il y a dans la tour. Easy birdie. Oh, c'est joli. Oh, c'est le dernier signe. Oh, c'est le dernier signe. Vous avez appris le signe Harry. Il peut charmer vos adversaires et les rallier à vous rendre pendant quelques... Oh, il est trop bien en plus. Oh, ça va être trop bien. Oh, mais là, plus il me prend que la peur. Okay. Oh, ça c'est... Oh là 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 là, quel bonheur. Hop, direct. Bienvenue dans le Tush Kingdom. Eh, j'ai pas touché. Je m'appelle pas Spider, moi je ne touche pas. Je suis Picard à la limite, mais... Oh mon dieu, grand dieu tout... Oh là 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 là. Oh là 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 là. En plus, j'ai fini la quête. Et il va me dire que je m'en bats les couilles parce que c'était il y a 40 ans. Je la mange après. Oh, un peu de thune. Des côtés de Raffard Leblanc. Restant immédiatement certains... Des points de santé perdus, ok. Fils Goodman. M'en fous. Cet ancien grimoire de magie contient la connaissance oubliée d'Alzur, les rituels favorisant la croissance des créatures et les secrets des tonnerres et des boucliers. Je peux le lire? Malgré sa profonde blablabla, je ne sais pas lire. Je l'ai tellement spam dans les dialogues du 3. Mec, il est craqué, hein, Harry, dans le 3. Mais ils sont tous un peu craqués dans le 3. Ils ont un petit peu changé, je sais pas du tout ce que ça donne dans le 2. Mais dans le 3, ils sont vraiment, vraiment utiles. Attends, c'était que ça? Ah, plus du fion.
Ils sont vraiment un petit peu mis à leur juste valeur, les sorts dans le 3. Genre Cohen, ça fait vraiment une giga barrière. Harry, c'est trop bien. Ah non, pas du tout. Moi, je découvre The Witcher 1. Vous voulez pas la vérité ? J'aurais dû mettre dans le titre du stream. Bien sûr que si. Juste une question. Oh, c'est stylé. Mec, on dirait des plans à la Guirichi. C'est trop bien. Oh mec, c'est trop bien. Comment avez-vous pensé à vous faire passer pour Raymond ? Mec ! Rusé. Mais grâce à vous. Il s'approchait et vous lui faisiez confiance. C'est... Mec, c'est vraiment une scène à la Guy Ritchie, c'est trop cool. Mais vous avez négligé que vous seriez tout près d'un sorceleur. Je serais stupide de ne pas profiter de la situation. Regarde-moi ces plans. Ah, il était déjà bon, hein. Assez causé. Menez-moi gentiment où vous avez caché ce que vous avez volé à Kaer Morhen. Ah, je suis là pour en découdre, hein, frérot. Ah, le bâtard. Ah, ok, slash TP. Ok, bah attends, ok, le lariat. Une impie. C'est quoi, non? Une ifrite. Je sais pas si c'est du lourd ou pas qu'il faut faire. Non, elle est quasiment morte, ok. Wow. Je suis à vos ordres, mais j'écoute et j'obéis, comme le tout bon génie. Professeur, arrêtez vos balivernes et trouvez-le. Voyez-vous, sorceleur, hasard n'est pas à son aise. Avec toute cette peau autour, ces mages du feu sont si limités. Vous avez besoin que je me bouille à sa place. La musique, par contre, là, elle est trop classe, hein. Alors, par contre, on t'entend pas? Parce que la musique, elle défonce. Ok, c'est parti. Oh putain, je suis devenu. Est-ce que je peux... Dans de sales draps. Hop. Il combat absolument pas avec moi. Super. Attends, par contre, je vais essayer de faire ça. Hop, allez, dans ta race. Ah, d'accord, ça l'a pas tout tué. Pourquoi je fais pas de dégâts, par contre? Pourquoi je fais pas de dégâts alors que j'ai la bonne épée? Non, ils m'ont stun. Oh, j'ai mis mon Cohen à... Oh là là, mon Cohen. Oh, mon Cohen frame perfect. C'est la merde, par contre. Ah, mais putain, je suis trop con. C'est pour ça qu'il perdait pas de vie, ce chien. Merde. Je fais de la merde au niveau de mon timing, là. Ah, d'accord. Ok. Que le sorceleur vous envoie au diable. Vous avez Silence. Failli me faire tuer. Retournez à la base du quartier des marchands. Vite, avant qu'il ne revienne à lui. Bah d'accord, bah super, bah merci. On se reverra, le monstre. Vous sentez que la bataille des marais près de Vizima annonçait des événements qui bouleverseraient toute la Téméria. Les deux camps, sentant le conflit inévitable, voulaient s'éprouver. Une banale escarmouche entre patrouilles tourna à la bataille rangée. Mais attends, j'ai pas participé guidés à ça. Par leur foi inébranlable, les chevaliers de l'ordre déchaînés finirent par l'emporter. Est-ce que j'ai loupé la guerre? La Scoëtel découvrit le prix de la liberté, le sang des siens et celui de leurs ennemis. Hasard parvint à me tenir à l'écart du combat. Quand Triss me réveilla, je vis des monceaux de mort. Mais attends, à quoi? À côté de ce funeste jour, je dus choisir mon camp. Ah, d'accord, ok. Ok. Comment ça, Triss me réveilla? Je comprends pas. Ah. Ouh. Ah. Tu fais erreur. Il me mange dans la main. Et pas que lui. Isis de les autres aussi. Je regrette l'absence de Foltest. Mais tu seras au Conseil Royal, non? Le problème avec les Ardennes est aussi résolu, n'est-ce pas? Oui. Il a. Non, les Templiers sont en classe. Ses supérieurs avaient soi-disant eu la même idée. Mais nous les avons pris de vitesse. Les hommes, ils sont forts en gueule. Il faut toujours qu'ils aient l'initiative. À propos... Attends, c'est... Sorceleur. Je sais pas. Je crois savoir comment le convaincre.
Fais bien attention. Il est perspicace et exceptionnel. C'est peut-être pour ça qu'il a rejoint la chasse sauvage, bordel. Reprenons contact quand tout sera fini. Que le sorceleur ne soupçonne pas ce que tu lui caches. Il entend, hein. Il est pas sourd. Hein. Oh la paire de chomblir. Triss. Reste couché. Je veux être sûr que tu vas bien récupérer. Motorbotte-moi tout ça. T'en fais pas, ça ne fera pas mal. Ah, je le savais. J'ai lâché mon jus trop tôt, mais je le savais. Tu es en pleine forme. C'est cette incroyable métabolisme. Aucune idée, Hades. Vraiment, j'ai jamais fait le 1, donc je ne peux pas comment dire. Suis-je arrivé Lisez pas, hein, si c'est le cas. Je suis tombé sur une fausse piste laissée par Kalkstein. Oh, je l'ai trouvé dans les marais. Mais qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce que tu foutais surtout? L'alchimiste examine toujours la pierre. Mais les plus grandes anomalies sont ici, à Vizima. Des anomalies magiques? J'ai oublié le 3, je peux pas te mentir. Et tu pourrais m'être utile. Mais revenons à ta santé. Je croyais que j'étais en pleine forme. Physiquement, tout est en ordre. Mais ton esprit m'inquiète. Oh, tout de Explique-toi. Suite. Explique-toi. J'ai dû lire tes pensées, afin de savoir quel poison tu avais agi. Et voilà, super. Loi. Et ta lecture ne s'est pas Bien arrêtée entendu. Là. Tes pensées étaient plutôt bruyantes. Peux-tu briser mon amnésie? Non, je ne crois pas. Mais il reste une petite chance. Une petite chance, tu dis? Je t'avoue que là, il y aurait un eye tracker, je serais dans la merde. Personnalité stable. En clair? Gérald, je regarde ni le siège, ni l'armoire. Éprigne-moi le blabla scientifique. Choisis ton camp dans la crise que ce monde traverse. Lequel s'importe peu? Je l'écoute pas. Choisis-en un. Une identité plus forte. Je n'écoute pas. Recouvrer la mémoire. Dis-moi simplement ce que tu as vu. Non. Super. Tu dois décider qui tu es, sans te retourner sur ton passé. Quoi? Je devrais faire comme si je n'avais pas de passé. Mais ça marche pas comme ça, la vie. La mémoire te reviendra au moment venu. Nous verrons. Gérald? Oui. Ok. Alors, ouais. Ok. Enfin, tu me laisses bien dubitatif, connasse. Comme beaucoup, ouais, comme beaucoup, je sais. Nous sommes faibles d'esprit, mais messieurs. Nous avons failli. Alors. Oh, attends. Attends. Oh, j'ai chaud, sa mère. Attends deux secondes. Attends, on continue vite fait, mais petite pause chaleur, vite fait. Oh, bordel. 10 sur 10, lit dans les pensées d'un mutant. Ok. Hop. Pas coller mon dos au siège, parce que c'est une horreur. Alors, non, on va le faire en dernier, ça, parce que j'ai peur qu'elle se vénère. Qu'est-ce qui t'a ramené ici? Lorsque vous êtes tous partis en chasse. Ce qui aura été très efficace. J'ai décidé de traquer la salamandre avec des méthodes moins. Ouais, des trucs de magicien. Et ça a marché? Non. Mieux que ça. Très merde. Comme tu le découvriras le moment venu. Oh, putain, arrête de tease. Pour obtenir ces informations, j'ai dû accepter de ne pas te les divulguer. Tiens. Super. Tu as parlé d'anomalies magiques. Connasse. Elles peuvent avoir engendré le mal véritable. La dernière fois que j'ai ressenti ça. Tu jouais avec une magicienne. Ah, et tiens. La moitié de la cité fut détruite. Le risque était. Moi, je sais de quoi on parle. Tout le monde sait de quoi on parle. Je suis un débile mental. Vizima, afin que nous puissions localiser la source des anomalies. Vous savez, détecteur de magie plaisant dans Vizima. Bah, j'allais le dire. Je m'en charge. Toujours prêt à faire plaisir. À quoi serviraient les amis? Il y a un trou dans le mur du. Je dirais rien. Il y avait une vanne facile, mais je dirais rien. Dans le quartier du temple, près de l'entrée des égouts. Et le troisième dans le cimetière de Vizima. La triangulation est la méthode la plus efficace. J'aurais peut-être dû garder la clé. À qui parlais-tu à travers le miroir? Tu m'as entendu? Des histoires de magiciennes. Tu m'as entendu? C'était du rien. J'ai fait quelques promesses pour en apprendre plus sur la salamandre. Quand même. Fais-moi confiance. J'espère tellement voir Zoltan dans la série. Bah je pense saison 2, il est là. Hein. Adieu. J'allais oublier. Oui. Mm-hmm. Le marchand Levarden voudrait te rencontrer. Ah, nice. Oh, bonheur. Il organise des banquets au nouveau Narakort. Je n'aime pas beaucoup les banquets. Oui, mais tu aimes te faire de l'argent. Alors tu fermes ta gueule et tu y vas. Notamment la princesse Ada. Tu vas y aller tout de suite. Tu vas sprinter. Voilà, tu vas juste sprinter ta race en fait. Moi, j'y serai. Il m'a convaincu. À 6h ce soir. Voici le sauf-conduit qui fait de toi un résident. Wesh, les Coupmasters, ça va ou quoi, Nettings?
Sauf conduit. Outre la quarantaine, les autorités de Vizima ont décrété. Déjà, Vizimir, c'est info sûr, ça va être cool. Elle concerne le quartier des marchands. Ça y est, t'auras mis l'anniversaire. Complètement. Quel est le rapport avec les sauf conduits? L'anniversaire, je suis rentré à 3h du matin. Mais j'y ai une. Je suis rentré chez moi, je suis rentré. Et le mien? À pied. Je t'ai déclaré comme de chez Luciane. Et j'ai pioncé comme un bébé. C'est super bien mis, moi. Pourquoi faut-il des sauf-conduits? Outre la quarantaine, les autorités de Vizima ont décrété la loi martiale. Je le saurais, non? Elle concerne le quartier des marchands. Dans lequel tu n'es pas encore allé. C'est vrai. Quel est le rapport avec les sauf-conduits? Seuls les riverains peuvent s'y déplacer librement. Mais j'y ai une maison et il m'a été facile d'obtenir un sauf-conduit. C'est normal, en fait. Je t'ai déclaré comme résident chez moi. tiens. Faux, évidemment. Oui, bien sûr. Je passe la moitié du temps dans toi, donc je pense que j'ai le droit à un sauf-conduit, non? Tu te souviens de notre conversation sur l'identité? Absolument. Tu as progressé? Non. Je ne sais pas trop. Gérald? C'était vraiment ça, en plus. Pourquoi ça? Absolument pas. Adieu. Bah, t'en doutes pas. C'est déjà fait, non? Ouh là là. Oh là 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 là, j'ai tellement eu truc. Oh. Blablabla, je sais pas lire. Ça, c'est pour faire des cadeaux, m'en fous. Putain, j'ai que 400 balles. Big sauce. Oh! Tournez. Oh, ça, c'est bien! Oh, c'est bien, ça! Oh, j'adore ça! Non, c'est vrai que ça, elle a été introduite avec le jeu, non? Je sais pas. J'ai lu que le premier roman où Triss n'est pas là, je crois. Ou alors très très peu. Je m'en souviens même pas qu'elle est là dans le 1. Donc, Après, je sais pas vraiment. Je crois que le The Witcher 1, ça se passe au niveau du tome. Entre le tome 2 et le 33, non? Un truc comme ça, non? Attends, je vais regarder mes quêtes. Alors, contraste sur les chiens. Ok, faudra Fossoyeur. Ça toujours pas, ça toujours pas non plus. Ouais, au début, elle est vraiment figurante, hein. Très bon, sorceleur. La sorceleuse m'a conseillé. La sorceleuse? Quoi? Ne pas chercher la vérité dans ce que. Tiens, genre. Car ça pourrait me créer une fausse image de moi-même. Dois-je faire comprendre ça mes réflexes, mes émotions et réfléchir ensuite? Est-ce ainsi que je vais reconstruire mon identité? Je suis pas frérot. Son de nouveau narracorte. J'ai placé des capteurs à Vizima. Un salamandre qui semble faire son nid à Vizima, ok. Enfin rentrer dans la tour. Attends, c'est fait ça? C'est fait ça? Et qu'est-ce qui me fait chier? Attends, je vais prendre celle-là. Forgeron, position du capteur. Prendre celle-là. Je vais aller pisser et en même temps je vais me TP. Je pensais que le livre se basait sur la destinée de Geralt avec Yennefer et Ciri, mais bon, j'ai jamais lu le livre. Si, clairement, hein, c'est sur ça. Hein. Laboratoire de Sketchstein. Ok, je reviens, je vais pisser vite fait.
Et hop, je suis jamais parti. Alors. Ça commence dans le tome 2, le 1, c'est qu'une suite d'aventure. Oh, mais elle est cool, c'est une suite d'aventure, mais elle déchire. Elle est très dans sa mamie. Mais oui, il a. Ah. Oh, oh putain. Oh, c'est stylé de ouf! Oh, mec, c'est trop cool! Oh, la physique sur les cailloux! Il est pas là? Il est pas là! Et je sais pas où il est, en fait! C'est super, parce que j'aimerais bien le voir, en fait. Non, je vais boire ça. J'ai dit, je veux boire ça. Qui connaît? Alors, déjà, j'ai eu ça. Juste aller revendre mes livres, du coup, et parler. Ah, mais non, mais j'ai pas besoin de lui parler de toute façon à lui, je m'en fous. Qu'est-ce que je me fais chier, j'en ai rien à foutre. Okay. Nouvelle qui est dans l'intro du jeu, elle est super cool. La nouvelle qui est dans l'intro du jeu? Avec la strige. Donnez-moi la patience. Qui est aussi dans la série pour le coup. Enfin, c'est celle-là que tu vois. Ouais. Elle est trop cool. C'est pas ma préférée parce que je préfère celle qui est dans le tome 1 vraiment. Avec le dragon. Pour pas spoiler celui-ci. Oh là là là. S'il y en a qui l'auraient pas vu. C'est pas par là du tout. Que je trouve vraiment exceptionnel. Tout est parfait. Mais ouais, celle avec la strige elle est super stylée. Mais dans le 3 aussi, il y en a qui sont exceptionnels. Hein, c'est pour ça que le jeu il s'est autant vendu d'ailleurs. Hein, il y a énormément de quêtes secondaires qui sont exceptionnelles, tu sais pas comment ils ont fait. Rien que celle avec le baron. Le baron et tout, enfin c'est assez ouf. Bon, on va y parler. Mais pourquoi il y a... Ah, mais il se prépare à la guerre! Vas-y, au moins je vais finir ça. Lui donner ses suives de chien. J'espère qu'il va me donner de la thune. Est-ce qu'il... Je suis ici pour l'annonce. Oui. La rencontre des moires, elle est exceptionnelle. J'ai 6 pots de saindoux de chien. J'utilise le saindoux. Ah ouais, non, c'est angoissant, hein, mais c'était putain de bien. Voici le prix convenu. Bah merci. Le cimetière est toujours fermé. Ils l'ont rouvert depuis... Oh, nice. Quel bonheur. Mais faites attention. Ok, c'est vraiment chapitre 3, c'est ouvert. Un paquet. Ok, il m'a donné... Fais voir, j'ai gagné combien, là? 100 balles. Une fosse de plus. Ouais. Ok. Je prends, hein, mais ok. Petite somme. Du coup, je vais aller planter la merde, là. Non, la source. Non, c'est où? C'est quoi? C'est ça. Hop, ok. On est en plein jour, non, on ne doit pas y avoir d'ennemis en plus. Ah bah c'est ça la gargouille. Ah, c'est ça la gargouille, ok. Hop. Normalement, je devrais plus jamais revenir dans le cimetière. À part s'il y a des quêtes qui pop dans le chapitre 3. Bon, du coup, on va pas vraiment changer d'endroit. Je pensais que ça allait changer de map, mais on va juste pouvoir explorer le reste de la ville, en fait. Dans chapitre 3, je pense. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, mais bon. Alors, du coup... Non, la map, les vendeurs. La antiquaire. Je vais essayer de revendre tous les livres que j'ai. Attends, normalement, j'ai tout lu en plus. Attends, j'ai lu l'autre. Je peux pas l'avoir, dommage. Non, en plus j'ai plus le livre, je crois. Ah si, je l'ai. Écrit par lui-même. Pas d'accord. Ok, hop. Ouais, j'ai tout ça à vendre, tous les livres à vendre. Alors, attends, hop, vite fait. On sait jamais, hein, tous les livres seront lus. Parce que je les vends pour de la merde et je les rachète à prix d'or. Tout ça c'est lu et c'est bon, ok. J'ai déposé mes pierres aussi parce que j'en ai pas besoin pour l'instant.
Je peux surtout pas les utiliser en fait. Je peux rentrer. Oh, Siegfried. Je vous écoute. Que faites-vous ici? Je réfléchis à l'instauration de la loi martiale. Ah oui, d'accord, loi martiale, ok, d'accord, on en est là. On en est là. Et puis, il me faut du renfort. Pourquoi? Des gens ont disparu dans le cimetière de la cité. Ah bah. Menez donc l'enquête. Tiens, serais-je payé? Absolument, sans compter la gratitude de l'ordre. Ah, nice. J'irai voir ça. Mes prières vous accompagnent. Alors ça m'en fait, ça m'en touche une sans faire bouser l'autre. Que savez-vous sur le cimetière? Seulement que les gens ont peur de s'y rendre, en raison de la recrudescence des goûts. Oh, je les mange pas un paquet de 10. Priver les citoyens de l'accès à leur propre cimetière. Non, par contre, faudrait peut-être penser à les changer, quoi. Toujours fidèle au poste. Non, parce que là, ça devient chaud, là, la place. Auriez-vous un nom à me proposer pour ma nouvelle troupe? Les Cucks. Les lances ardentes de la destruction. Ok, bah let's go. Les lances ardentes de la destruction. Il fait parler son Edgy Boy qui, est en lui, là, Gérald. De la destruction. Toujours fidèle au poste. Toujours. Auriez-vous un nom à me proposer pour ma nouvelle troupe? Je viens de te le dire. Les lances ardentes. Oh, voilà, okay. Au revoir. Au revoir, Shoshana. Que le feu éternel nous protège. Ouais, voilà. Que le feu éternel remplisse mon cœur. Je vais faire maintenant ou pas d'ailleurs? Donc, il y a des gens sur le cimetière. Des gens sur le cimetière, c'est comme d'avoir dit. Ouais, j'irai plus tard. Je vais déjà aller revendre toute ma merde parce que sinon ça va stack, ça se stack sur moi à l'infini là. J'ai pas envie. J'aimerais bien avoir de la place un jour aussi. Je peux les revendre aller ou pas? Il vous faut. Les amis de. Nice. Ok, il me vend rien en fait. Hop, tu as 14 balles, 70 balles au rachat. C'est, je me fais arnaquer en fait. Bah, je vais revendre la drogue aussi hein. Voilà, 140 balles. La drogue ne me sert pas en plus, je crois. Hop, ça dégage. 100, putain, 700 balles. Je me fais arnaquer de fou. Oh, j'aurais peut-être dû manger une poupe en sucre. Oh, parfait, ça dégage. Ouais, pour 3 balles, mais bon, c'est logique. Ça, c'est pareil. 8 balles, bon, c'est logique. Je sais pas pourquoi je les ai encore, les pots de loup. C'est bizarre. Et le reste, bah je garde. Hop. Bah du coup, c'est bon. Attends, juste ranger un petit peu. Ça, je vais le manger d'ailleurs. Hop. Vas-y, je vais aller enquêter dans le cimetière. Je passe à la taverne vite fait. C'est quoi ça? C'est graisse d'oie et graisse de bœuf. Ça, c'est aussi ça, d'accord. Ça, ok, ok, ouais, non, bah, ça va, c'est tranquille, j'ai de la place. Elle explore vite fait voir ce qu'il y a. Combattre les quelques algoules, les quelques ghouls qu'il va y avoir. Je l'ai mise en raccourci d'ailleurs. Voilà. Hop. Vous avez. Bah, d'accord. Non mais c'est vrai que ça enlève quelques soucis, ça, oui, non, c'est utile, oui, c'est utile, c'est très utile, c'est très très utile. J'aimerais bien pouvoir phaser entre les murs. Morsure, alors, coup de griffe, eau écrasée pour leur moelle, l'œuvre de Ghoul. D'accord, ok, on commence direct avec un assassinat de type violent. Je suis policier. Et avant tout, j'ai un peu peur. Ah, il lui manque un bras. Ah, il manque deux bras. Ça va, Sonic? Pourquoi il est en bleu? Je lui parlais, là? Ah oui. Désolé. Est-ce qu'il a roté, ce chien? Enfin, ce ghoul? Vous n'avez jamais vu une goule? Bah si, mais j'en ai fumé 40 millions en fait. En tout cas, pas une qui parle. Je rechigne à me vanter, mais je suis exceptionnel. Mes cousins préfèrent grogner. Tu n'as pas de synchro labial. Du tout. Ah, ce n'est pas mon œuvre. Je ne mange pas les vivants. Si vous m'épargnez, je vous dirai qui a fait le coup.
Entendu. Entendu. Ce sont les oreilles pointues. Ils pillent les tombes et tuent tous ceux qui croisent leur chemin. Pourquoi j'ai du mal à y croire ? Groupe les laisse faire. Ils ont mauvais goût et nous apportent de la nourriture. Merci. Jure, les elfes, ils ont des goûts de merde. À plus tard. Je ne suis pas étonné. Par contre... Mais attends, mais... Mais mec, c'est la première fois que je croise une goule qui parle. Ça va ? C'est béja en plus, hein. Puis gigantesque, hein. Qu'est-ce qu'il voit ? Bah berbé, hein ! Ok. Bah d'accord. Ce commando d'elfe, l'éliminer. D'accord. J'imagine qu'il va être loin en plus. Ah, mais il doit être dans la forêt du coup, non ? Ah non, ils sont dans la crypte ! Let's go. Bah let's go ! Bah, tuer de l'elfe, mais oh, mais c'est un passe-temps. Pas de noyeur. Pas de noyeur. Parfait. Parfait. Ah, mais ils sont là. Bon, les connards. Faut qu'on cause. Que cherchez-vous ici ? Votre mort. Des assassins. La cité en est pleine. Allez donc y faire un tour. Nous luttons pour notre survie. Pas besoin d'assassiner des pauvres gens. Longtemps. Vous nous menacez. Alors qu'il reste 6 de ces gorilles dans la crypte. Avec les ghouls. Tuez-nous. Et vous n'arriverez pas à temps pour les sauver. Décidez-vous, mutants. Vas-y, je vais sauver les ghouls. Oh là. Oh, je suis claqué. Allez, sauver les ghouls. Bon, ils sont où ? S'il y a personne, par contre. Voilà. Serait-il par là ? Ah ah ! Ah oui, mais ils sont pleins en plus. Je vois rien, mais c'est pas grave. Non, je vous en prie. Ils y berni. Venez à mon aide. J'aimerais bien, mais là je suis un peu occupé. Aidez-moi, je vous en supplie. Ok. Si j'avais une potion pour le non, j'en ai pas. Vous nous avez sauvés d'une mort certaine. Oui. Merci. Les elfes nous avaient abandonnés à ces monstres. Quelle bande de bâtards. Je crains que vos amis n'aient pas survécu. Nous avons entendu d'horribles hurlements dans ces couloirs. Les monstres ont sûrement... Oui. Sortez d'ici. J'en ai tué la plupart. Tous, loué en fait. Soit Melitel et Béli. Je les ai tous fumés. Hein. Hop, mais j'en ai pas sur moi, malheureusement. Ça, ouais, non, elle a l'air bouleversée d'apprendre la mort de ses amis. Je serai dans le même état, hein, à sa place. Oh là là, vos amis n'ont probablement pas survécu. Par Méditerranée. Comment vous dire que je m'en tamponne les couilles. C'est vrai que je peux pas boire direct. Hop, petit gorgé. Ok. Il n'y a pas d'autre. Ah si. Du pain. Vas-y, je vais le prendre, je vais manger. Hop. Ok, bon. Là, j'ai sauvé des gentils humains, mais... Les connards d'elfes qui sont partis. Chier. Mais genre la garde elle a pas pu les faucher au passage. Oh. Alors du coup la quête là. On va parler à Siegfried, ok. Siegfried, il y a des elfes dans ta ville. C'est un remake de l'Indien mais... Avec des fils de pute. Oh attends elle est... Oh, c'est la première fois que je la vois. Oh, non, hop, voilà, s'il vous plaît. Oh, genre, je lui ai fait des dégâts en sortant mon arme. C'est trop bien. C'est la première fois que j'affronte un Graveyard, je crois. Viens là, wesh. Oh, comment elle est, il est stylé de ouf.
Mec, il est trop classe. Il est horrible, hein, mais il est horriblement classe. Oh, les coups d'yep. Oh, dans les burnas. Ouh, y'a... Ouh, y'a... Ah non, c'est une texture. Je crois qu'il avait fait un zijoujoui. Hop, je peux récupérer que ça pour l'instant. Oh, ils sont trop stylés. Oh, c'est trop bien. J'ai hâte de découvrir plus de monstres, ça par contre. Hop. Eh, on avance bien, mine de rien, on avance bien. Ça fait des nouvelles quêtes, ça chasse des nouveaux monstres. J'aime beaucoup, moi, j'aime beaucoup. Bon, Siegfried, il y a un problème. Bon, juste, je regarde un truc vite fait. Ouais, ok. Pardon, enfin, je regarde un truc viteuf. Siegfried, mon ami. Enfin, je appelle mon ami. J'ai réglé le problème du cimetière, mais... Que s'est-il passé? Alors, c'est la chaud. La goule parlante, la Scoetel était également dans le coup, pillant les tombes et supprimant tous les témoins. Une goule douée de paroles? Auriez-vous abusé de vos élixirs? J'aurais préféré. Que s'est-il passé? J'ai sauvé les humains jetés en pâture aux goules, mais les assassins m'ont échappé. Je peux pas tout faire. Par le feu éternel, digne d'un chevalier. Allez en paix. Yes! Quel bonheur. Je ne comprends pas. Vous avez sauvé des innocents. Et oui, j'ai fait le bon mieux. Choix. Vous je suis quelqu'un de bien. Prime. Et tout mon respect. Oh, yes, une prime en plus. Quoi? Combien? J'attends la thune. J'attends la... Oh là 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 là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Gérald de White Knight. Et en même temps, quand t'as vu le balcon que j'ai sauvé, franchement... Moi aussi, hein, je viens de devenir un petit chevalier. Bon. Mis à part ça, je suis riche. C'est parfait. Mais je comprends pas ça, je peux enfin rentrer dans la tour. Je suis déjà rentré dans la tour. Ah, faut que je trouve Kalstein. Ah, il est peut-être dans la tour du coup. Attends, est-ce que j'ai des trucs dans cette partie de la ville? Ça, c'est pas du tout dans la ville, j'imagine. Oh, c'est le quartier des marchands. Je regarde juste vite fait, hein. Ah si, il y a les égouts. Je vais faire ça. On va poser un aux égouts. Faut que je passe à la taverne aussi vite fait. Il y a des trucs à vendre là. Non. Faut que je passe à la taverne vite fait pour faire quelques concoctions. Concoctions ? Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Et ranger et vite fait foutre des trucs dans mon coffre. Ah d'accord, putain je sais. Oh, j'avais dû la voir au début. Qu'est-ce que tu me veux, sale pauvre? Barrez-vous les pauvres, barrez-vous, mais barrez-vous. Voilà. Ensuite. Ah ça y est, j'ai 1000 gold, moi ça m'approche plus, hein, les pauvres. Hein. Vraiment, c'est fini. Triss m'a donné une lettre de conduite qui ne me permet pas de regarder machin. Une idée de quoi tu parles. Alors hop, ouais. Et je vais du coup aller chez Kalstein. Non, attends, faut que je passe à taverne d'abord. Je suis côté. Oiseau de mauvais augure. Non, je suis pas du tout à côté en fait. C'est où la taverne? C'est par là. J'en ai marre de me paumer. C'est chiant. Ok. C'est par là. Ok, en contrebas, cette taverne à la con. Sur moi, je peux toujours pas m'en servir des métaux et rouges en forgeant pour ça. Ah mais si. Ah mais attends, mais je peux. Ah mais attends, mais... ça coûte combien? Ouais, mais est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas si c'est vraiment utile de me faire une... Parce que là, j'ai déjà... J'ai un glaive météorique. Donc, 3 augmentations d'assim tourique bleu. En plus, je peux pas porter d'autres épées.
Je sais pas si ça vaut le coup de forger celle en rouge en fait. Parce que amélioration d'armes, dégâts plus 15%, x3, enfin c'est. Ça sera plus nul que ce que j'ai là. Donc, parce que là c'est vraiment pas mal. 45% de douleur et plus 20% de désarmement, c'est pas mal. Donc je vais juste aller la déposer. Bah j'aimerais bien, j'aimerais énormément refaire du CK2. Enfin, continuer la partie de CK2 d'ailleurs. Enfin, que je fasse la rediff. Je pense à demain peut-être. Mais ouais, dès que je pense, dès que les. Surtout là, c'est pas. Là, le facteur X, c'est pas moi, c'est les copains. Mais dès que les copains ils sont libres, ouais, on continue la partie de CK2. Moi, je suis fan du jeu, sérieux. C'est truqué. Que voulez-vous ? On m'a offert plein de cadeaux, tu vois, pour mon anniversaire. Et moi, j'ai juste envie de jouer à CK2. C'est dégueulasse. Vraiment. J'ai envie de faire rien d'autre que jouer à CK2. Non, mais pose là. Ouais, c'est tout. Comme ça, si je pourrais le revendre. J'ai besoin de repos. Ouais, je l'économise pour l'armure. Lui, ça coûte masse blinde. Plus moche du meurt. Ouais, non, je crois que. À chaque fois qu'on y a joué avec B4, parce que moi j'ai rejoué hors stream, bien entendu. On y a joué, genre on a fait des parties de 10 heures à chaque fois, quasi, tu sais. Enfin, pas 10 heures, mais 5 heures minimum. Ce qui est pas mal quand même, hein, on se mentir. Et le jeu, j'ai envie de le poncer, mais en permanence, mec. C'est un truc de malade. Vraiment, j'adore le jeu. Je suis. En une après-midi, enfin en une soirée, je suis devenu fan du jeu. C'est. Oh putain, fais chier. C'est vraiment trop. CK2, c'est trop bien, vraiment. C'est, en plus, c'est pas vraiment compliqué. Genre, y a plein de trucs, ça fait peur. Mais au final, c'est pas trop compliqué. Ça se maîtrise assez facilement. Putain, c'est toujours pas là. Avec ton dieu divin. Je pense qu'il va pas tarder à crever, mon perso, mais bon. Enfin, il allait pas tarder à crever, je pense. Mais bon. Des roses, non, ça je garde. Que puis-je ? Mais en plus, le truc dans la partie qu'on avait fait, enfin qu'on avait commencé, c'est que mon perso, il avait gagné, du coup il a gagné masse de trucs avec la France, enfin avec le bout de France. Mais le truc c'est que quand il va mourir, et que je vais jouer mon fils, ça va être un truc de malade mental. Parce que du coup j'aurai la Bourgogne et plein d'autres territoires. Vraiment, ça va être nimp. Non, je vais garder le truc en sucre. Attends, mais pourquoi je... Ah, mais si. C'est pour ça que j'ai envie d'y rejouer. Salut, pas mal. Gérald de Rive. D'accord. Les sorceleurs tuent les monstres, non? Oui. Oui. Parce que je collectionne les dents. Des bains. Vous voulez d'autres dents? Oh, parfait. Absolument. Plus elles sont rares. Oh yes, c'est c'est pile ce que j'avais besoin. J'ouvrirai l'œil. Et pas forcément des dents de monstre. Espèce de malade mental par contre. Que. Ah, ça va être un bordel, mais j'ai hâte. En plus, j'ai appris. De Noctule. Du coup, ça là, dernièrement. Des Noctule. Elles ont des canaux pour sucer le sang. Mm-hmm. Sans orin. Oh, nice. Oh là là. Mm. Oh. Oui. Non mais attends, mais c'est pas fini, mec. Non, mais attends. J'ai trouvé. Je les ai. Un éternuement de tous les diables m'a fait pincer la langue d'un patient avec des tenailles. Juste 25 orins. Dommage. Je pensais que ça allait être 100 orins par truc. Bon, attends, j'ai tous les vents, hein. Que. Les gens vous apprécient. Ils ricanent jusqu'au jour où ils ont mal aux dents. Alors ils viennent me voir en rampant. Ils ne s'arrachent pas les dents eux-mêmes? Ceux à qui il manque des dents me crachent dessus. Oh là là, oh le truc de pécor. Adieu. Jusqu'à votre prochaine. Mais attends, mais y avait pas un mec à qui je pouvais revendre plein de merde? Vraiment? Ah si, commerçant non? Yes. Putain, je peux pas les revendre.
Ça doit être à l'autre gros. Bon, ça doit peut-être dans le quartier des marchands. Bon, ça me fait un peu de thunes. J'ai une autre quête dedans. Bon, ça va être une quête sur le long terme, je pense. Bon, on va aller. On va aller chez Kalstein. On va se TP dans la tour. Normalement, il devrait y être du coup. Mais je disais que j'ai appris. Dernièrement, j'ai appris à faire la guerre, déjà. Ce qui est pas mal, hein. Et j'ai aussi après appris à gérer un petit peu ma succession, même si ça j'ai pas eu trop le temps. J'ai juste testé un petit peu Noir Noédé et bleu. Ok, je peux le remettre quoi. Attends, désolé, petit aller-retour à la con, mais vraiment je vais le tèche direct le livre. Et j'ai appris aussi du coup à gérer les vassaux vite fait. À gérer ma terre, enfin j'ai appris à gérer quelques trucs et je pense que maintenant le jeu est bien plus facile. Où je vais? Et bien plus agréable à jouer. Après j'ai aussi... pour l'instant mon gameplay, moi parce que tu vois celui de B4 c'est vraiment de faire la guerre en permanence. Moi c'est vraiment un gameplay très très lent. Où je prospère petit à petit vraiment. Donc c'est un peu plus chiant, enfin c'est un peu plus chiant. Un peu plus chiant à mater, mais non, mais casse-toi. Ouais, voilà. C'est un peu plus chiant à mater. Ouais, du coup, c'est ça aussi. J'ai dans une de mes parties, j'ai dû jouer un gosse. Parce que j'ai joué une femme à un moment et j'ai niqué à haut vert rabattu. Enfin, je suis mort au bout d'un moment. Et du coup, j'ai joué ma fille ou mon fils qui était trop jeune. Et comment c'est une horreur! Comment c'est chiant. Vraiment, hein, c'est... Et ça doit être pire dans le jeu de base sans le mode. Mais c'est trop chiant. Tout le monde, c'est trop dur de te relever en fait. Quand ton perso il meurt. Et que t'as un gosse qui a pas 16 ans et qui peut pas reprendre le trône. C'est trop dur à jouer mec. C'est trop dur à reprendre. Okay. À te reprendre sur la pente quoi, c'est trop chiant. Salutations, sorceleur. Après je comprends hein, mais à chaque fois. Enfin, j'attends depuis si longtemps. Kalkstein. La plus grande découverte de ma vie. Vous avez bien mérité riche. Votre récompense. Couvre-moi d'or. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh 2300. Oh. Oui. Bientôt l'armure. Comment avancent vos recherches? J'ai une nouvelle théorie qui révolutionnera l'alchimie. Tout est constitué de minuscules particules. Oh mec, le cache, la cache money. La moula. Mmh. Ces particules sont en mouvement constant. Le chien dent. Et en interaction permanente. Je ne peux pas encore le prouver, mais je m'y consacre. Peut-être plus tard. Oui. Ouais, ils s'en bat les couilles. Allez, ça dégage. Faire des bombes, ça dégage, parce que j'en ai rien à foutre. Et hop, je vais dormir vite fait. J'ai repris Total War de mon côté, oui. Et bordel, je regarde partout, je suis mauvais niveau gestion. Ah ouais, ça... C'est le même doubleur que MADN dans Jurassic Park. Putain, ça me dit rien, moi. Je ne suis pas Adwim, je ne connais pas le jeu par cœur. Je suis désolé, ça ne me dit rien. Je peux pas faire le golem? Ah putain. Miel blanc? Non. Noix de blanche? Ah oui, ça demande un os de Greivir quand même. C'est pas mal. Ah mais non, attends. Hydragémum. Cristaux d'Albar. Attends, j'ai pas un truc qui donne de l'hydragémum moins? Parce que là, c'est un truc à 1 en fait. Éther, rubédo, non. J'ai du gui. Qui je peux utiliser du gui? Ah si, hop, la casse-toi, toi. Voilà. Hydragémum. Ensuite, Kebris. J'en ai pour plein, ça. Du Kebri. C'est un peu chiant. Hop, c'est un peu chiant, j'entends bien. Mais c'est nécessaire. De l'éther. Ok, parfait. J'en ai 15 millions. Et du vitriol.
Croc de bête, j'en ai plus qu'une. Vitrier, voilà, 40 millions. C'est parfait. C'est parfait, on est bon. Et voilà, elle est où la potion? Elle est où la potion? Elle est où la potion? Elle. L'amélioration apparition de la lune. Ouais, ouais, des fake. Bon, ça, c'est un truc. C'est un truc. Merde, je vais trop vite, putain. C'est un truc. Enfin, c'est pas juste une potion dans le temps, quoi, c'est définitif. Ok, ça, c'est les potions à base d'acide. J'ai un chat. J'ai du chat. J'ai Blizzard. J'ai Yandel, moi ça je pourrais pas en faire. J'ai pas de chat. Je vais faire un chat. Mais putain, mais voilà aussi, ils m'utilisent ça, je m'en fous. Même ça, putain. Mec, ils m'utilisent que des trucs. Ça c'est chiant par contre. Parce que c'est quoi, c'est. Rebé. Bon, ça j'en ai plein. Et Kébris. J'en ai pas plein. Si, j'en ai plein en plus du Kébris. Ça c'est chiant qu'ils m'utilisent des trucs rares. J'espère que j'ai pas trop consommé de trucs rares. Voilà, hop. On revient une petite heure. Il faut que je reprenne cette formule à zéro. Ok. Alors, je vais juste me mettre du coup élixir là. Hop, ça je vais le foutre là. Attends, faut juste que je rende mon inventaire, sinon je vais autismer jusqu'à la fin de ma vie. Ça je vais le boire d'ailleurs, hop, vite fait. Voilà. Albedo, oui. J'ai aucune idée de ce que je viens de gagner en fait. Vraiment, je ne sais pas. Mais c'est pas grave. Alors, Soul, hop. C'est de l'eau. Voilà. C'est de la poudre. Hop, hop. Et à manger, voilà. Ben non, mais attends, c'est pas manger ça. Dans toi. Voilà, hop. Hop. D'amélioration, ça c'est des silex, ça c'est ok. Ok, on est bon. La quête, alors la quête. Non, parce que je suis pour voler. Donc ça c'est. Bah du coup, je pense qu'on va devoir. Ouais. Ah bah ça je sais pas où aller donc Ouais non mais pardon j'autisme. Vas-y on va aller faire la fête. Putain enfin qu'il rechigne pas sur le TP Gérald parce que sinon Oh c'est tellement mieux de se TP. Oh là là. Comment j'économise du temps. Oh la petite musique, nice. D'accord, il y avait juste ça. Oh la petite sauvegarde, ça fait longtemps. Parce que là, je pense qu'il y aura beaucoup de blabla. Je pense que le combat là, il va être un peu moindre. Alors, fouillons. Poisson et de la bière, on fout. Même quand elle est habillée, c'est pas. C'est léger, quoi, quand même. Je veux dire, elle a pas froid. Clairement. Putain. Ils me font chier avec tout leur livre. Hop. Hop. Voilà. Ah, ça, c'est vers son labo, j'imagine. Elle a deux sorties? Ah, la deux sorties. Trise. Oh là là, putain, il y en a du texte. Gratuit. Je comprends, hein, mais un petit peu gratos quand même. Ok, il y a Kalstein et. Siegfried. Ok, parfait. Hop, voilà. Hop, quête. Et dégage. Ok. Je vais voir un petit peu la nouvelle map là, parce que j'ai pas du tout exploré du coup.
Si un jour, si tu en as envie, bien entendu, le jeu. Ok. Ouh. Ah, j'ai pas le temps. Oh putain de merde. Vous là, halte. Oh, il est stylé de ouf. Votre sauf-conduit. Oui, mais oui, monsieur. Un sauf-conduit pour tout. Plaignez-vous au roi. Il est rentré. Non, mais tous les nouveaux décrets portent son sceau. Ah bah d'accord. Adieu. Ok, la négociation. J'aime pas la politique, mais j'ai l'impression que ça devient impossible. Je préfère éviter le problème. J'ai rencontré un fille, ce conduit, ça me paraît douteux, relativement. Ok, donc va falloir faire des trucs de la haute. Non, il est stylé de ouf en armure, hein. Le quartier a perdu de son charme depuis que la plèbe y a accès. Les chats en seconde ligne. Non, je... Ne me dérangez pas. Je joue de la musique, là, maintenant. Oh, un bouffon. Oh, bouffon du roi. Bouffon. Pourquoi le druide a giflé le garde de la cité? Oh, bah, je sais pas. Parce que c'est dans sa nature. Ah, d'accord. Si j'étais à mais pas drôle, en face. J'éviterais les gardes. Lui, tu dis oui à tout ce qu'il doit. Non, non, vous avez un sauf-conduit? Oui. Vous pouvez me donner votre femme? Oui. Attends, je vais faire la fête, moi. C'est quoi la carte? Ah, mais c'est super loin. Non, c'est à côté, en fait. C'est joli de ouf, par contre, hein, du côté des nobles. Hein. C'est un vrai déluge qui s'annonce. Oh, mais il fait beau en arc-en-ciel. Les chevaliers pourraient se charger des monstres. Les sorceleurs sont si vulgaires. Tu vas voir si je suis vulgaire, connasse. C'est la rive droite de Rouen. Ah, je crois que ça parle d'expérience. C'est la guilde qui vous envoie. Personne ne m'envoie. Bah non. Excusez-moi, ils m'ont chassé de la place du marché parce que j'ai refusé de m'inscrire à quelle la guilde. Tout ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez à offrir. Excusez mon jugement. C'est sûr de pas avoir dans... Ah ouais, voilà, mon gars. Bandit, j'ai prostitué, je pense qu'on est bon. Attends. Pourquoi ne pas vous inscrire à la guilde? Par contre, le gosse derrière moi, il me fait peur. De la guilde. Par toi également, tu vas manger un chassé. Moi, je ne tiens pas à être contraint de donner des armes à certains, tout en refusant de faire affaire avec d'autres. Qui veut le contrôle? Ça s'appelle de la ségrégation. Quelqu'un qui a de sacrées relations. Ou juste du racisme, en fait. Même les marchands les plus riches tremblent devant lui. On exige des armes en grande quantité. Je suis entouré de gosses. C'est ça forcément ça me... pour Jacques d'Alderstein. Ah, ça me fait un peu d'urticaire. Pour le roi. Merci pour ces renseignements. Merci pour ces renseignements. Et bonne chance. Je vous en prie. Pardon. Attends, par contre, fais voir ce que tu vends. Qu'est-ce que vous vendez? Je vends et j'achète des armes. D'accord. Okay. La meilleure qualité de toute la cité. On va voir. Je vous laisse. Ok, donc c'est juste des armes, on peut voir, il y a des trucs intéressants. Oh, rune voie d'eau. Donc, temporairement des pouvoirs magiques à la lame augmentent de 20% les chances de toucher l'adversaire et d'infliger des dégâts. Ok, ça pue sa mère. Oh là 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 là, c'est 5000 balles. Ouais, la hache double A, elle est folle, hein. La hache à deux mains de Mahakam, elle est complètement folle, hein. Mais malheureusement, je peux pas. 9,27. Ah, mais d'accord, moi j'ai même pas de dégâts en fait. Ouais, elle est folle. Glaive de la cité, mais rien. Même le glaive cérémonial de Denwise, j'aime beaucoup, moi, les armes dans ce style-là. Stylé. T'as vraiment 5000 balles. Pour pas grand-chose, hein. 15%, c'est pas mal pour l'armure, hein. Mais c'est pas non plus exceptionnel, hein, pour 5000 putains de balles. J'aurais bien vu un petit 25, t'as eu. Un petit 1,530, t'as eu. Ouais, t'es pas mal. Là, ça pue sa mère. Ouais, oh, c'est vraiment super joli, j'aime combien. Des bars. Bande d'alcoolo. Il y a des quêtes là-dessus. Oh, il y a masse de quêtes. Oh, le stream n'est pas fini. Enfin, les streams, ils sont pas finis, poteau. Cherche un fournisseur de viande, vous devez un frère, vous avez besoin de 3 portions. Ok, ou viande fraîche. Les kikimors, des griffes de kikimors, ok. Contrat sur les ghouls, 12 ghouls, ok. Des noctules, 3 noctules. Oh non, j'ai revendu trop mes crônes noctules, je suis un fils de pute. Des cocatrix. Il y a 9 chapitres, il n'y avait pas 5. On m'a dit qu'il n'y en avait que 5. 5 graveurs, ok, bon, c'est facile.
C'est... Là, il y a la moitié des quêtes. Bon, par contre, je vais dégager. Il y a la moitié des quêtes, c'est facile. Ça se passe... Oh là 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 là, par contre. Oh là 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 là, ça se voit que j'ai une nouvelle zone. La moitié des quêtes... J'ai des nouveaux points. Ah, j'ai pas de nouveaux points. Quoi. La moitié des quêtes, c'est dans le cimetière quasi, donc c'est relativement tranquille. Par contre, ça dégage. Ça dégage, vraiment. Ah, oui, non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait. J'ai oublié, je suis pas dans un MMO. Voilà. Des beurs. J'ai lu ça ? Ouais, j'ai lu les ouïes. Et c'est tout. Et hop. Parfait. Attends, parce que là, je pense que là, va y avoir de l'action, là, je pense. Taverne, nouvelle ville, je pense qu'on va voir la bagarre. Il va y avoir bagarre et jeu. Donc là, si vous voulez aller chercher des chips, à manger, un café, tu peux, je pense. Oh, plan chelou. Plan très chelou de taverne. Ouais, non, je sais pas où t'es chercher le neuf, mais Patrick. Ça peut être Patrick. Un sorceleur. On raconte que votre confrérie a disparu. Bah non. Il s'en est fallu de peu. Je suis Gérald. Je préfère taire mon nom pour respecter. Mais tu t'appelles Patrick ? Si vous voulez, vous pouvez m'appeler Patrick de Weiss. La rose ardente ? En effet. Peut-être pourriez-vous m'aider. Comment ? Encore des quêtes, quel plaisir. Ma sœur. Nous l'avons retrouvée inconsciente. Oh yes, oh, une bonne quête en plus. Un filet de sang dans le cou. La signature. Oh, la chasse de vampires ! Pas nécessairement. Après quelque temps, ma sœur a disparu. Elle a dû se métamorphoser et s'échapper. Si c'est une vampire, je serai obligé de... Commencer par la trouver et par confirmer nos doutes. Ok. Attends, connaîtriez-vous un certain Siegfried de Denel ? Là, les gars, ça va être un peu plus tranquille. Comment va-t-il ? C'est déjà pas mal tranquille, mais là, on va surtout... Qu'est-ce qui lui vaut ce chercher des quêtes, en fait. Il n'est plus le même depuis les marais. Pas commencer à les faire tout de suite, je pense. Je lui ai dit... Une nouvelle honorable zone. Siegfried, je vous félicite. Votre foi et votre honneur ont triomphé de la canaille païenne. Il m'a canaille regardé païenne. Bizarrement et m'a répondu... Ah, la canaille honorable, peut-être. Renvoyé à la maison. La foi et l'honneur, certainement pas. Nous avons vaincu une bande affamée et mal armée. Un peu de sang et il néglige les honneurs. C'était des il devrait elfes. Enfiler les bottes de son père. Où est-il ? Son père ? Tué par une manticore. Je parlais de Siegfried. Comme ça, il entraîne des recrues. Je sais ça, on sait Gérald, espèce de con. Dans le quartier on le sait depuis longtemps. Hein. Tu lui as parlé d'ailleurs. C'est tout ? Non, mais attends, sa sœur. Oui. Ouais, ta sœur. Très bien. Je chercherai votre sœur. Vous la reconnaîtrez sans peine. Mm-hmm. Nul ne reste indifférent à ses yeux azur. C'est une blonde élancée et de grande beauté. Je vais voir ce que je peux faire. Vampire ou pas, je la termine. Marchand. Enfin, un peu de répit. Okay. Bientôt les mbots. Le Varden requiert ton auguste présence à 6h ce soir. Ah, oui. Vous êtes différents. Inutile de monter sur vos grands chevaux. Laissez-moi finir ça et je suis à vous. Ok, attends, je lui demanderai après une chambre. Bah c'est quoi, je vais revendre. Même si ça coûte que dalle. C'est pas parce que je suis un gripsou ou quoi, c'est juste que je vais garder les merciers. Je vais m'acheter de la vodka. Combien ? 60 balles ? Ouais, c'est tranquille. Hop, voilà. Hop, comme ça j'ai de... Ouais, j'ai bu l'élixir de golem. Par contre, je sais pas où il s'est mis l'élixir. Je sais pas où il s'est mis en fait, j'ai pas compris. Je l'ai bu. Ça c'est sûr. Aucune idée. Non, il s'est pas mis dans mes... Bon, je sais pas. Ça va être dans des stats spéciales. Bon, d'abord... La mère aime sucer des nains. Bah, c'est parti. Salutations, Blanchette. Oh, putain. T'as du pognon ? Tu veux te battre ? Je suis riche. Et je suis prêt. Bouge pas. Non, je suis con. Ah, déjà bête 215. Mais oui, mais 215, c'est pas question. C'est quoi ce boss? C'est quoi ce be... 99? Pas question. Ah, donc c'est vraiment des pauvres.
50. Parfait. Ça ferait un bon combat. Prêt ? Toujours. Que la fête commence. Ok, c'est parti, bougez-vous. Les pugilistes. Ok. Alors par contre, j'étais pas prêt. Oh, je termine. Oh, je suis Mike Tyson. Ah, ok. Oh si, si, je suis Mike Tyson, il a pas vu le jour. Allez, hop, uppercut, et c'est fini, voilà. Allez, hop, dans ta grosse race. Oh là 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 là, oh là 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 là. Oh, la décharge. Allez, mange le sol. Délicieux. Tu verras, il fait frais en bas. C'est bon, pas mal. Et y a pas de honte à perdre contre loup blanc. Absolument pas, donne-moi ma thune. Bon, Ike, who's next? Toi? Salut ta... C'est parti. J'ai plein de vie en plus. Pas question. Putain, ils sont tous beaux. Salut ta... Même sang, il veut pas? Pas question. Ah d'accord, ah, ils veulent vraiment pas. Bon, genre 50, hein. Je refous de 50. Voilà. Ça ferait un bon combat. Prêt? Que la fête commence. Elle me faire 100 balles vraiment tranquille. Enfin 200 balles, enfin même plein de thunes plutôt tranquille. Que je vais probablement tout perdre au jeu. Exploser la tête. Ce qui ne m'étonnerait pas. J'ai envie de cogner quelqu'un. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui se passe. Je comprends pas trop le principe du combat à main nue là. Je t'avoue. J'ai un petit peu les combos, mais c'est vite fait. Et des fois, je sais pas comment ça marche. Ok. Bah d'accord. Pas mal. Et y a pas de... Personne n'a de honte, mais ok, tranquille. J'enchaîne moi. Tu veux... Ouais, non, non, mais Geralt il flex un petit peu. Oh putain, c'est beau. Geralt il flex, y a pas de problème. Il t-bag, les coups sur ton nez, ça fait. Ah mais il se bat pour... Mais vas-y mais frérot, 50 balles c'est rien. 20. Ah, okay. Je vais te botter le cul et ça va me rapporter du pognon. Oui oui, je vais surtout te raccompagner chez ta mère en carrosse. Et tu seras derrière. KO, bien entendu. Très longue vanne pour pas faire peur. Toi je comprends pas. T'as raison, chaperon rouge. Je t'entends pas, dingo. Regarde-moi ça. Regarde-moi les patates de foirin que je mets. Je suis un petit peu trop overlevel, je pense, pour le combat à main nue. Alors, je suis littéralement trop fort pour eux. Regarde, c'est fini, voilà. Hop. Hop, dans les côtes, dans le thorax et dans la gueule. Et hop, c'est fini. Tu as un super jeu de jambes. Et tu flex super bien, Geralt. C'est super. Donne-moi mon oseille. Tu gagnes. Bien sûr que je gagne, vagabond, il est fou. Bah attends, le courrier. J'ai envie de cogner quelqu'un. À moi. Quelqu'un veut se battre. Bon, j'imagine que eux aussi ils sont pauvres, hein, vu que c'est des pauvres pugilistes à la con. Pas question. Ah voilà, déjà 35, c'est trop. Ah non non, mais il se prend au jeu, hein, les duels de les duels de bar, il aime bien. Hein. On verra. Le pugilisme, il adore ça. Hein. J'ai envie de cogner quelqu'un. Bah oui, bah moi. Oula. Ok, le flex gratuit, c'est bien. J'ai rien fait, hein. Le jeu, il l'a fait tout seul, vraiment. Il l'a fait esquiver into flex. Bah d'accord, fais ce que tu veux. Non, mais joue tout seul. Je te dirai rien, moi. Tekken 7 n'a qu'à bien se tenir, hein. Hop, allez. Petit combo. Ouf, pas loin des coups ça. Regarde la quête du combat du 3, il est. Ouais, non, non, il adore, il aime bien la bagarre. Hein. C'est pas le premier à rechigner sur la bagarre. Ça, c'est sûr. Tu gagnes. Hop. André Gabriel de Bleu. Avant, j'étais imbattable. Le grand espoir blanc. Quoi? Maintenant, je traîne dans ses coupes-gorges. Tout ça à cause d'un combat. Non mais de quoi? Vous étiez un guerrier. Un pugiliste. Un les pugiliste. Les gens m'adoraient, les femmes, l'or. Et maintenant? Bah non. Qu'est-ce qui s'est passé? Devenu les vieux. Les juges n'ont pas aimé les coups sous la ceinture. Ils m'ont disqualifié. Eh bah c'est normal. Je vois. T'es une merde. J'ai continué à me battre jusqu'au...
Jusqu'au... Jusqu'au combat contre le lion. Il vous a... Un seul coup, terrible. Et j'ai compris que j'allais pas gagner. Depuis, je garde ma capuche pour pas qu'on me reconnaisse. T'as un bouffon, après en fait. Le premier coup. Une vraie transformation spirituelle. Mais je te prends quand tu veux. Et si on pariait? Oh, let's go. Oh, je vais lui fumer sa mère. Les règles. Ni arme, ni armure. Bien. Ok. 201. Et je suis chaud. J'en suis. J'ai même pas toute ma vie en plus. De quoi je dois m'améliorer? Non, mais je vais péter sa mère. Hein. Salaud. Il fout lui. Alors, personne? Ah, bon, faut arrêter de me taper. Non, mais faut arrêter de me frapper un jour. Voilà. Non, mais. Mais il y a un combo. Mais flexe pas, tu es en train de perdre, Gérald. Tu vas bouffer la poussière. Non, mais j'ai vraiment pas une carte. Hein. Eh, hey, il esquive trop ce chien. Nous vivons une époque terrible. Mais non, mais allez. Non, je vais pas perdre. Je veux pas perdre. J'ai pissé sur ton cadavre. Bah, ça c'est gratuit. Putain, je vais vraiment perdre en fait. Mais il attaque pas mon perso. J'ai perdu. J'ai perdu 200 balles. Il m'a détruit. Il m'a détruit. Ah. Ouh, dans les côtes. Ah, il m'a détruit. I am the big sad one. Bon, ça, j'ai perdu ce que j'avais gagné au combat. Bon, c'est pas trop. Par contre, faut se relever. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Il m'a tué ou... André Gabloda. Du calme. Reviens demain si t'as encore 200 orins à perdre. André Gabloda. Du... Reviens... Oh là là, le jeu, il a pas compris. Ouais, mais j'étais pas full life aussi. Vas-y, je vais aller dormir. Madame, tavernier. C'est pas tout. Salutations. Apparemment, il m'a crevé les yeux, ouais, c'est chaud. Je suis... Oh, oui, la viande de Weave. Pas encore. Je bouge pas. C'est pas... Salutations. Que puis-je... Belle auberge. Vous devez y... Par contre, y a pas de jeu ici. Oui, mais... moins depuis l'instauration de l'état d'urgence. Vous avez d'autres clients intéressants? La curiosité est un bien vilain défaut. Mon défaut à moi, c'est que j'aime l'argent. Super. 200 balles, bon, vas-y. On avait un accord. Et puis, ça me dérange pas de parler de mes clients maintenant. Je vous écoute. Ça fait un moment que des types bizarres viennent ici. Les soldats font comme s'ils n'existaient pas. Je suppose qu'ils ont des écussons de la salamandre. Ah. Vous les connaissez? Vous les avez écoutés? Ils chuchotaient. J'ai pas entendu grand chose. De toute façon, là, je devrais me faire max de thunes, de toute façon. Ils ont bien dû dire quelque chose d'intéressant. Ils ont parlé d'un mot de passe pour entrer dans un... Ah, intéressant, ça. Ou peut-être... Ça vaut de l'argent, ça, c'est cool. Quel était ce mot de passe? Il y en a un qui a dit... Épine. Merci pour les renseignements. Ça, c'est... Oh là là, tellement bien, ça, par contre. Non, par contre, je... Excusez-moi, je suis trop occupé. Non, excusez-moi. Bonjour. On peut jouer avec personne là? Vraiment? Y'a personne qui joue au dé? Bouge pas. Faut que je baise. Tu te bats? Bah d'accord. Quelqu'un veut se battre? Quelqu'un. Pas question que je me prenne. J'ai envie de cogner quelqu'un. Bon d'accord, ok, j'en ai juste un. Beaucoup n'aiment pas les sorceleurs. Mais j'apprécie. Excusez-moi, je suis trop occupé. Quelqu'un veut se battre? Eh non, mais j'aurais bien aimé. Oh, j'aurais pas dû parler. Maître Levarden requiert ton auguste présence. Je devrais essayer ça. Excusez-moi. Putain, j'aurais bien aimé. Bon, bah, c'est pas grave. Ah, putain, il jusqu'où? Qu'est-ce que tu fais là? Gérald, content de te revoir. Ah, Mozi? Je ne suis pas d'humeur. Monsieur, péter la gueule, c'est chaud. C'est chaud. Oh, j'ai des dents, il part. Voilà qui est ennuyeux. Gérald? Alors. Où as-tu égaré ton luth? C'est une longue histoire. Je n'en suis pas très fier. Un verre? Bien entendu. Va pouvoir un verre. Un petit peu de vin. Allez. Encore un petit peu de vin.
C'est quoi le trait? Ne sois pas ridicule. C'est quoi le trait? Ah, je suis bourré. Ah, je suis bien bourré en plus. Gérald? Fuck. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce Luc? C'est celui. Oui, oui, tu parles comme ça quand t'es bourré, bien sûr. Des fleurs. Tu te souviens? La vallée des la fleurs. La vallée des fleurs. J'ai même écrit une ballade à ce sujet. Où le diabolo dit bonne nuit. Mm-hmm. Je la chanterai ce soir. Bah, j'ai hâte d'être à ce soir, du coup. Qui est Toruviel? Cette elfe des montagnes bleues. Tu lui avais cassé le nez. Où est-elle à présent? Je crois qu'elle a rejoint l'Ascoetel. Aucun souvenir. Ça revient, ça reviendra à mentir, mais... Gérard... Comment es-tu entré dans le quartier des marchands? Oh, t'inquiète pas, affaire que lui... Affaire de renommée et de charisme. Voilà. J'imagine mal les gardes de la cité, férus de non, poésie. Par contre, la noblesse... Non, enfin... Je me suis confié à un riche marchand qui m'avait engagé pour enseigner le luth à sa fille. Avec ses relations, il a insisté pour m'obtenir un sauf-conduit, afin de témoigner de son amour de l'art. Classique. Malheureusement, nous nous sommes quittés en mauvais temps. Eh, il a probablement niqué sa fille. Moi, plus tard. À plus tard. Je me suis bourré la gueule, c'est... Ah, c'est bon. Oh, je me suis dessoulé en 5 minutes. Excusez-moi, je suis trop occupé. Et elle, je peux pas... Si, ah, elle, je peux prendre une chambre, je crois. Merde. J'ai renversé la sauce blanche spéciale du chef sur les gants rouges d'une dame. Ça va être ma fête. Tu es une merde. Je peux vous aider? Comment? J'ai une paire de gants. J'ai une paire de gants, moi. Je vous les donne volontiers. C'est vrai? Je suis bourré. Je les ai plus. J'ai pas des gants. Vous êtes stupide ou quoi? Ouais, je suis bourré. Vous impatientez. Oh, dommage, c'était un event. Non, j'ai fucked up. Allez, vend des gants. Vous avez une... C'est 5 orins. Ah, j'ai le seum. De toute façon, si je lui donnais les gants, j'aurais pu... T'as eu. Pourquoi je vais dormir, moi? Bon, déjà, j'ai des... Ah oui, j'ai des points en plus. Bah, déjà, on va foutre... Axi, direct. Hop. Résiste au renversement. Ne fonctionne que lorsque... Non, ça, je m'en fous. Au saignement. Oh, plus d'armure. Ah, c'est pas mal, ça. C'est quoi, la dex? Ouais, c'est... Ouais, d'accord, ok. Je sais pas si... Ouais, je préfère augmenter mon perso à moi. Je vais peut-être prendre... Je vais peut-être... Ouais, je sais pas, c'est plus d'armure. Juste 5 d'armure, c'est pas forcément ouf, ouf. Faire, c'est quoi, ça? Ouais, non, ça, je m'en fous. Après, ça, ça me fait avoir plus de coups. Non, attends, c'est cool. Là, c'est pas... Ça serait pas mal, en fait. Le 4 des coups de cils rapides. Non, attends, non, ah, je suis con. Je vais mettre en enduit parce que j'utilise plus les trucs de groupe. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais. Enduit, j'ai dit. Voilà. Ouais, là, je peux faire des trucs, mais je m'en fous. Deux petites heures. Ça se bat à vitesse grand V. C'est bon? Tu peux rouvrir les yeux, Gérald? Je t'en... Merci. Ok, attends, le jeu il commence à un petit peu partir en roue libre. Hop, petit sauvegarde. Ta mère aime tu fais regarder des nains. Faut arrêter par contre. Faut que je baise. Faut arrêter aussi. 200. Vas-y, J'en suis. Vas-y, j'essaie de le battre. Je suis full life, normalement je peux le battre. Mais là je lui mets sa grand-mère, sérieux, regarde. J'aurais dû attendre d'être full vie pour un combat comme ça en plus. J'ai fait le con tout à l'heure. Non mais par contre, il y a pas... Attends. Attends. Effectivement, noblesse oblige. Voilà, hop, putain, je mets que 14.
Voilà, 17, c'est déjà mieux. Aïe. Ouh là là. Vraiment, je vais le mettre KO. C'est bon, c'est tranquille. Voilà, récupère ma thune. Merci beaucoup. À demain. Lyon va me défenestrer. Hein. Je pense. C'est Flex Patrou, il t'a battu déjà. T'es en 1-1, donc... A été entraîné par le lion. Non. Je suis le sorceleur qui a gagné. Voilà ta récompense. Et merci. Ah. Attends, c'est quoi le mieux, les gars? Acier météorique et pierre runique. Signe magique et pierre runique. Je sais pas si je m'en servirai, en fait. C'est très circonstanciel, les pierres runiques. Après, l'acier météoritique... je sais pas si j'en ai forcément besoin. Après, ça me donne 400 d'or. Après, je sais pas si l'acier météoritique, c'est... comment dire ah, merde. Je vais prendre le signe magique et la pierre runique. J'ai mis clic. Voilà. J'ai mis clic, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je suis une merde, en fait. Voilà, je suis une merde. C'est pas du tout ce que je voulais, mec. C'est pas ce que je voulais du tout. Je vais recharger. Je m'en fous de ça, en fait. Le truc temporaire, c'est de la merde. Je vais plutôt prendre l'acier météoritique. J'ai l'impression qu'il est un peu plus rare. Et un peu plus utile que les trucs de base, enfin que les trucs temporaires là. On doit me le refaire, c'est pas grave. Gagner une fois, pourquoi pas deux. Voilà, hop. Full life. Je viens de faire dodo 2 heures. Petite sieste. Sur ton cadavre. Alors faut te retourner par contre. Ah, putain, j'ai pas de chance. J'avais une bonne RNG tout à l'heure. Voilà. Elle est revenue. Oh putain, ouais, j'ai une bonne RNG, c'est bon. Ok. Ah mais il y a des timings. Putain, je crois qu'il y a des... Oh ouais, je crois qu'il y a des timings. Il y a des timings de baston. Je viens de comprendre. J'ai l'impression que tu peux... quand lui tape, si tu cliques au bon moment, bah ça va, tu vas prendre la prio en fait. Ce qui est fort intéressant. Je suis le... Je prends l'acier. Prends et... Hop. Oh, c'est météorite rouge, je fais chier. Je pensais que c'était la thune bleue, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, au moins j'en ai une. J'ai regagné ce que j'avais perdu, donc... j'ai rien, j'ai pas bougé, quasi. Qu'est-ce que... Il est bon, ouais. Ok. Vous... Salut, est-ce que puis-je... Merde, j'ai mis slick, pardon. J'ai mis slick sur mon... truc que je veux pas, voilà. Déjà ça. Voilà. Vous ok, hop, alors, Parlez-moi des rendez-vous à l'étage. Le noble Levarden de la guilde des marchands a loué le premier étage de mon auberge. Je dois fournir boisson et nourriture et surtout ne rien dire. Je suis invité. Que savez-vous d'autre? Eh oui, je suis un invité de marque. Vous savez tout. Vous savez tout ce que vous devez savoir. Sinon, sachez que j'ai promis de me taire. D'accord. Peut-être que l'or vous délira la langue. J'aime l'or. Mais vous pourrez pas me payer autant que le Vard. Ah bah non, quand monsieur l'âge des 1000 et des 100, moi à côté, je suis qu'un pécor. Hein. Qui soutient le Varden? Clairement. Ah, je vous en ai déjà trop dit. Et voilà. Bouffon. Parle. Excusez-moi. Ça marche pas comme ça. C'est l'heure ou pas? Maître le Varden requiert ton auguste présence. À 6h. Ah, c'est 18h. Oh, mais jure, c'est 18h. Bah non. Ta mère aime sucer des nains. Y'a pas quelqu'un qui veut jouer vite fait, là? Je rodais. Putain. Qu'est-ce qu'il a? Bon. Non, bah je sais toujours pas. Oh, y'a personne qui veut jouer au dé. Ah, ça va jamais passer. Putain.
Bah attends, je vais dormir. Mais... Vas-y, je... elle est où la meuf? Madame! Ce ministre, elle m'a intriguée. Madame! Elle est où, madame? Elle est là, madame. Asseyez-vous. Vous avez. C'est... Hop. Putain, fais chier, j'ai niqué un event. J'ai trop le seum. Dormir une heure. Normalement, c'est bon. Non, il sera 6h30, c'est évidemment, hein, pas fou. C'est bon? Oh là là, le jeu il galère un peu. Le jeu, ouais, il galère de ouf. Les réveils, il aime. Oh là là. Il aime pas trop ça, les réveils, hein, le jeu. Hein. À deux doigts de crash. Ok, c'est parfait. Oh, peut-être du save. Oh là là. Ah oui, non, c'est triste. Oh putain, oh, il y a du gratin là. Conseiller municipal. Eh bien. Toujours les affaires et la politique. J'en ai assez. Oui, une petite son. Eh bien. Ma bonne dame. Cesse donc de grimacer. Tout va bien se passer. Oui, il faut ensemble si dire chaque fois. Si nous rentrions chez toi, vérifier que je n'ai pas d'hémorragie interne. Ah, main dans le slip. Ce n'est pas si terrible. Main dans le slibard. Mêlons-nous aux invités. Mm-hmm. Casse-toi, tu es. Bienvenue à la fête du Seigneur Le Varden. Oh, oh. Putain, il y a tout à l'heure. Gérald, voici le bulletin. Oh, attends, il y a du gratin là. Enchanté. Salutations. Ça oh, ce n'est pas stylé. Vélérade est le bras droit du roi Foltest. Ah, pas mal. Les présentations sont inutiles. Si tu veux ouvrir une manufacture ou une échoppe, tuer un monstre ou adresser une requête au roi... Non, pardon. Adresse-toi à moi. D'accord. Ok. Excusez-nous, mais nous devons voir les autres invités. Ah, donc j'ai c'est deux mots, en fait. D'accord, c'est deux mots. Erkin Blunt. C'est qui, lui? Ça me dit un truc, mais... Pourquoi il dandine? Ah, d'accord. Pff, ok, il danse. Gérald, tu connais Talar? Talar, ici. Je veux te présenter Erkin von Blunt. Salutations. Erkin a fait vœu de silence. Ah, mais c'est pour ça, d'accord. Demandez ce qu'il fait là. Bah oui. En effet. L'un de ses vœux est de protéger la famille royale, mais la princesse Ada n'est pas la bonne. T'inquiète. Mais les vœux, ça se respecte. Et que fais-tu ici? Bien sûr. Il m'a demandé de parler en son nom. Bien sûr. Nous ne voulons pas vous accaparer. Viens, Gérald. Oui. Oh, ça a l'air bon. Oh, ça a l'air délicieux. Conseil municipal, je m'en fous. Oh là 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 là, elle a l'air délicieuse. La dinde qu'il y avait sur la table. Attends, faut qu'on parle, toi. Cher Gérald de Rive et Triss Merigold, soyez les bienvenus. Salutations. Merci d'être venu. Je suis sur un bon doubleur français, j'en suis voyez certain. Voyez tous les gens présents dans cette pièce. Tout le royaume s'y est donné, rendez-vous. Votre invitation nous a beaucoup touchés. Pardonnez-moi. Surtout la thune que tu viens de donner dans pas longtemps. Nous parlerons plus tard. Ah, bon bah. Bon bah, mademoiselle. Ah non, attends. Attends, il y a des comptes. Hein. Hors de ma vue. D'accord. Mademoiselle. Voici la. Oh non, le gros, il fait la fête, il est trop heureux là. Hein. Il vit sa meilleure vie, nous sérieux. Nous connaissons, n'est-ce pas, oh, sorceleur. On peut le dire, princesse. Oh, je pense qu'elle veut faire connaissance en plus d'ample connaissance. Même si chaque jour n'est pas un conte de fées. J'ai tant de responsabilités. Elle, on va bientôt avoir son image. Pourquoi oui, c'est quoi derrière? Ma toilette vous déplairait-elle? Elle a des barésies. Mais c'est une princesse, wesh. Oh là 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 là. Non, ça par contre. Oh les devs. Oh les devs. Oh. Oh, tu m'étonnes qu'ils... Oh, ils ont dû se faire tellement plaisir sur Cyberpunk, ces chiens. Attends, je vais faire un petit peu de... Même la plus ravissante des robes... Ouais, coquin, les polonais, un petit peu, hein. Tenez votre langue, mutant. Eh, c'est un compliment. Calme, de Wet. Et boum. C'est moi qui décide si... Alors, le plan, il est pas forcément ouf, mais... Et boum. Mais il n'est qu'une aberration. Silence, de Wet. Vous pouvez disposer. Allez, barre-toi, cuck. Tu as rencontré tous les gens influents. Attention. Certains pourraient essayer de t'extorquer des renseignements. Ok, je le plan. Je ne suis qu'un sorceleur. Chaque mot a des sous-entendus politiques ici. D'accord. Ouais, donc quand je l'ai insulté de coq, c'est peut-être pas... Je parle. Je vous enverrai chercher. Hors de ma vue. Il m'aime pas vraiment beaucoup. Bon, du coup, je parle à... Oh. Ouais, non, d'accord. Je vais parler à lui. J'ai affaire. Laisse-nous un instant, s'il te plaît.
Faut que je fasse quoi? Bienvenue à la fête du seigneur le Varden. Oh, attends, je peux piquer sa commode. Une poire. Maître Jasquier est étonnant. Putain, y en a qui ont des concubines. Oh, ils se mettent trop bien les chiens. Ne me dérangez pas. La petite ouverture de porte là, c'est pas mal. Hop, par contre. Oh. Le moule a été fabriqué selon les instructions et l'artisan appartient déjà au passé. Assurez-vous de bien faire disparaître toutes les autres traces. Personne ne doit être capable de prouver que nous sommes coupables de contrefaçon ou qu'il existe un lien entre vos supérieurs et moi. C'est quoi faire pour le reste? PS, occupez-vous du sorceleur. Oh. Blablabla, Nilfgaard, c'est des chiens. Et ils sont nuls. Ah, ah bah, direct. Que faites-vous ici? Oh, mais je suis... Je cherche les toilettes. Ah, bah voilà. Dans ce coffre. Oui, dans ce coffre, exactement. La moule, il m'a fumé. c'est comme ça qu'on fait de l'humour. Ils ont vraiment dit se faire plaisir sur un clown tellement de... Ah, oh, mais pareil, hein. J'ai vraiment hâte de la voir, hein. Je pense qu'à côté, les couilles de cheval de chevaux, les couilles de chevaux de RDR2, ça va être une... De la merde, de pisse de chat. Trop de temps seul. Mais tu vois, jamais de la vie, voyons. C'était une erreur syntaxique. Rien de plus. J'espérais une boisson plus adulte. J'espérais une boisson plus adulte. Le vin est bien triste. C'est bien vrai. J'ai trouvé cet alcool. Vous en voulez? Et voilà, c'est comme ça qu'on sort des pétrins les plus embourbés. Regarde. J'ai eu fait de l'alcool nain parce que souvent ça déchire. Hop. Et voilà. C'est une idée stupide. Oui, mais... Oh, ah, délicieux cet alcool. Eh, merci mon bon monsieur. Et parlez à l'autre connard. C'est triste. Oh putain, je suis perdu d'un coup. Il doute alors. Parle librement, Geralt. De tout. Sauf de politique. Bon, on parle de parler dans rien, la princesse. Pas de politique. Non, mais... Au sujet de la malédiction. Chut. Je boirais bien une boisson d'adulte, moi. Ils veulent tous se boire, les gars. Enfin, vas-y. Est-ce que la princesse fait des rêves étranges? Qu'est-ce que j'en sais? Je n'ai jamais discuté avec Ada hors de la présence de ces corneaux de l'ordre. Oh, un petit corneau! Un comportement étrange. Tu flirtes avec la trahison. Bah ouais. Je ne m'intéresse pas. En même temps, elle est bien bonne, la trahison. Politique de ces questions. Notre chère princesse est tout à fait normale. Enfin, en dehors du désordre. Il vient littéralement de traiter sa princesse de malade mentale. À l'occasion, mais. Rien que ça. Et c'est lui qui parle de flirter avec la trahison. De la part d'une enfant gâtée. Voilà. C'est dit. Quoi? Elle. Parlez. Elle aurait bien besoin qu'un homme la baise. Ah oui? Dis donc! Vas-y, allez! À plus tard. Moi aussi! Il n'y aura bientôt plus rien à manger. Oh que si! Il a un autre à me dire. Je t'écoute. Je vais faire un cadeau. J'ai une question politique. Moi qui te prenais pour un honnête homme. Quand est-ce que le roi reviendra? Je sais juste tout ça. Tout le monde pose la même question. Et je réponds invariablement. Il sera là en temps et en heure. Bah t'avais qu'à me le dire direct au lieu de faire chier, trou de balle. Putain, je te déteste. Il est passé où tout à l'heure? Ah il est là. Faut qu'on cause toi. Tu t'amuses. Bon bah au boulot, bien hein sûr. Attends, en haut, y'a 10 pains sur la trop planche. Trop peu de nourriture, trop peu de sièges et une profusion de banalités. En plus, je dois être le seul à ne pas être impliqué dans tu un complot m'étonnes. Ou une alliance secrète. C'est ça la modernité, faut évoluer. Tu préférerais que les Nilfgaardiens pensent qu'on est des barbares? Mais ils pensent qu'on est des barbares! En fait, c'est se bourrer la gueule en dégueulé, oui. Hurler des chansons paillardes et pincer le cul des servants. Oui, c'est ce que je fais déjà très bien tout seul, donc. Je reste attaché aux vieilles coutumes. Je ne les aime pas et je ne les comprends pas. Mais, assez bavardé. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis un patriote qui veut le bien de son royaume. Oui, oui. C'est bien à Talar le receleur que je parle. Talar le fourgue ne fait rien pour rien. Ah ben, Talar bien le fourgue est un escroc qui n'aimerait pas que le quartier du temple sache qu'il se commet avec la haute société de Vizima. Comme tu voudras.
Je vais te dire une bonne chose. Ça va péter dans pas longtemps. Ok, Booba. Les perdants se feront bouffer par les corbeaux. D'accord, B2O. Tu seras obligé de choisir dans quel camp te battre. Ah, putain. Nous, on se bat pour nos traditions, notre patrie, nos femmes. Et ils nous volent notre travail, les elfes. Parce que t'es l'un d'entre nous et que c'est une cause qui en vaut la peine. Bon, ça, c'est une information importante, encore, par contre. Mais ça ne saurait tarder. Le temps de l'épée et de la hache. Ah, c'est beau, ça. Proche, le sang inondera les rues. Sache, mon ami, que tu ne pourras plus rester neutre. Oh là 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 là. Oh, bordel. Pourquoi ma neutralité te dérange-t-elle? Pourquoi est-ce que tu tiens à m'attirer dans une partie qui n'est pas la mienne? Il a raison. Tu t'intéresses pas à la lutte entre l'ordre et les écureuils? Attends, merci beaucoup d'être passé, poteau. C'est plaisir. Triss Merigold. Ça ne te regarde pas. Mon objectif, c'est la destruction de la salamandre. Rien de plus. La salamandre a un protecteur. Proche, ouais, dans trois jeux. Oui, bon, d'accord, allez, c'est bon. C'est pas si loin que ça. Si tu n'aimes pas ça, ça te concerne. Qui est Dewet, au juste? Et que fait-il ici? Ce chien de Nilfgaardien. Ah, mais c'est un Nilfgaardien, d'accord. Je comprends pas qu'Ada tolère sa présence. Salut, Vito, ça vaut quoi, poteau? Comment ça? C'est à la fois un chevalier de l'ordre et un Nilfgaardien. Donc un chien de la classe. On peut dire ce qu'on veut sur la princesse, mais elle est pas stupide. Peut-être que la princesse suit son propre plan. Alors elle d'ici là, Gérald aurait de la barbe, et il aurait un sacré flow, un sacré glow-up. Ouvrira ce petit jeu, j'ai peur que quelqu'un la manipule. Tiens. Est-ce que le Varden est impliqué? Salut, coucou de Willy. Doit conduire Erkin. Comment ça va, Willy? Privé avec lui, mais ses intentions sont mystérieuses. Pour moi aussi. C'est vrai? Comment ça, c'est vrai? Ton ami s'entend bien avec le Varden. Oui, oh, c'est bon, oh, on peut plus négocier. Des choses à se dire. Regarde-toi-même. Je suis là depuis 20 ans, mais je trouve que 22h51, c'est une bonne heure pour dire bonjour. Ah, bah, y a pas d'heure pour dire bonjour. Le Varden fait partie d'une organisation transnationale de marchands. J'ai envie de dire, tu pourras dire bonjour quand je dirai couscous, tu vois. Bon, je t'insulterai peut-être, mais tu peux. Mais qui es-tu, en fait? Non, parce que je te parle, mais... Sous les ordres directs du roi, j'identifie les traîtres, les informateurs et les agents étrangers. I'm a spy. Je suis un espion. Et un espion haut placé. Ah bah, c'est un bon espion. Je peux te poser une question personnelle. Les amphibies que tu traques... Tu parles de monstres, là? C'est personnel ou idéologique? Quand il dit les amphibies que tu traques, c'est juste les monstres? Parce que c'est idéologique, c'est pas personnel. Ils m'ont rien fait à moi, les monstres. Ils sont juste là. Par contre, ils ont fait des trucs aux des autres. Idéologique. Comment? Le crime, le mal, la salamandre. Ah non, merde, là, c'est pas la salamandre. En tant que sorceleur, j'aurais dû dire les deux, je suis concerné. Compris. Dommage. C'est pas grave. On se reverra plus tard. Je n'avais pas compris le français, ma faute. Oh! Ah, j'aurais peut-être dû dire les deux du coup, je savais pas que c'était un choix si important que ça. Fuck me up! Hors de ma vue! Dewet, procurez-nous du vin, auprès du valet au bout de la salle. Votre Excellence? Nous pouvons enfin parler librement. Oh yes! Parlez-moi des sorceleurs, et épargnez-moi la récitation de votre code. Qu'est-ce qui vous intéresse? Pour moi, la politique est pareille à une rencontre avec un amant. Vous êtes du même avis? Alors attends, ah merde, j'aurais dû sauvegarder. Oh, je suis dans la sauce. Oh, va falloir se tromper. Alors y'a quoi? Y'a pas complètement, y'a la ressemblance est frappante et dans les beaux-arts, avez-vous la main droite de votre excellence? Alors celle-là, elle me fait rire énormément, tellement c'est une connotation de sexe. Enfin, dis-lui, je veux te baiser directement en fait. Pour moi, la politique est pareille à une rencontre avec un amant, vous êtes du même avis. J'hésite entre la 2 et la 3 en fait. Ah, j'ai pas une sauflogue avec la princesse! J'ai envie de dire ça juste pour rigoler en fait. Ah, fais chier! Vas-y, et on attend. Dans les beaux-arts, avez-vous la main à droite, votre excellence? Les livres sont rasoirs, comme l'est souvent la poésie. Les livres sont pour les gens rasoirs. Enfin, revenons à nos amoureux. La politique ressemble à un rendez-vous amoureux. D'abord les préliminaires. Voyez cette sorcière avec le Varden. La danse s'anime et viennent les caresses. Ok, d'accord. Comme notre noble Erkin avec les gens de la cour.
Puis on brûle du désir de jouir ensemble. Oh là, eh oh, langage par contre. Enfin. Oh, le plan de rien, il est dubitatif. Dépourvu de passion. Fellera des douettes, par exemple. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Nous connaissons tous deux le désir. Il a une immense gaule, hein, 100%. Ouah, c'est bon là, non? Je ne me mêle pas de politique. Oh, alors, je suis trop con. Que faites-vous ici, où tout le monde se mêle de tout et je suis trop con. Je crois que j'ai fait les mauvaises réponses, là, je me suis mis un petit peu dans la sauce. Ça, elle peut pas être folichonne, je crois, de celle-là. Et de celle-là, ça fait un petit peu chevalier blanc. Et là, bon, c'est un débile mental. Putain, fais chier, j'espère que la sauvegarde est pas loin si je me trouve. J'accompagne Triss. Ça dépasse tout. Mes excuses. Des excuses trop tardives. Je suis une merde. Voilà, je suis une merde, je le savais. 22h40, c'est il y a 10 minutes, je suis une merde. Je suis nul. Voilà, c'est bon, on peut me vanner, je suis nul. Voilà, je drague mieux en RP que dans les jeux vidéo. Je vais te faire péter la cave et te faire le crépi. Bordel. Oh putain, c'était avant la fête. Non, ça va, c'était pas avant la fête. Je speedrun un peu, pas m'en vouloir. Ok, je parle un petit peu à tout le monde. Ma faute, j'aurais dû sauvegarder. J'aurais vraiment dû sauvegarder. Je suis désolé, je le ferai après. Je vois. Non, on s'en fout, lui il va danser. Hop, petit slam. Hors de ma vue. Ah, lui il veut juste pas que je lui parle de toute façon en plus. Je vais draguer. Non, je joue pas. Ah si. Tu attends. Chaque. Ok. J'ai affaire. Ok. Par toi. Que fais je danse. J'ai. Hop, alcool nain, ça part. Voilà, ça c'est fait. Hop, ok, comme ça maintenant. C'est une idée stupide. Je sais. Je peux lui piquer un peu dans ce monde. Ouais, non, vas-y, ça vaut pas le coup. Surtout que je m'en fous. Ah si, faut que j'aille à part la Tarlar vite fait. Et ensuite, j'aille à part la princesse. Vous savez ce que Morden a fait au tournoi? Rappelez-le moi. On arrive à cheval, harnaché, avec nos armures bien. Attends, j'ai pas écouté ça. Graissées. Morden entre dans un box, il serre son destrier entre ses cuisses, et ensuite. Il s'agrippe au bord du box et il soulève le tout. Incroyable. Ah, c'est pas une vanne, d'accord. Le tournoi fut une simple. Je m'attendais à une vanne, mais non, du coup non. Putain, il veut pas. Plus rien à manger. T'as l'air vite fait, s'il te plaît, attention. Ok. Tu viens, c'est ça. Entends, c'est pas la coquille. Alors. Pourquoi on va juste tout refaire pour que ça soit fait, tu vois. Pour voir comment ça, j'ai conviens. Qui est de comment c'est on peut je suis désolé les mecs hein. Hop, voilà. Mais qui est un des les deux. Explique-toi. Cette organisation m'a volé après avoir tué un ami. Qui plus est, en plus, je faire la salamandre rompt l'équilibre. En tant que sorceleur, ça me concerne. Compris. On se reverra plus tard. Ok, donc ça c'est fait. Voilà. Je save avant et je sais de faire bien faire. Je suis encore à moitié bourré en plus. Votre ex. Nous pouvons parler moi des sorcelles. Qu'est-ce qui vous a. Pour moi. La. Alors. Et dans okay, les. Déjà, on va faire ça parce que j'aimais bien la réponse. La main à droite, votre excellence. Tu peux les revenir sont pas rasoir, fou. Comme l'est souvent la poésie. Les livres sont pour les gens rasoirs. Enfin. Revenons à nos amoureux. Hop, déjà, première salve esquivée. Ressemble à un rendez-vous amoureux. D'abord les préliminaires, la danse, puis on brûle du désir de jouir ensemble sauvagement. Ils ont tué le petit nouveau, en fait, Hades. C'est juste un prétexte. Fellera des douettes, par exemple. J'adore ce. Dans la ok, voilà, c'est parti. Dans le sexe, il faut baiser les autres. Oserais-je poser une question? Quelle est la position politique du roi? Quelle question ennuyeuse. J'ai faim et il n'y a rien d'appétissant ici. Tiens, non. Ce que princesse désire.
Princesse l'obtient. Si vous m'apportez ce que je désire... Ok, let's go. Je répondrai à votre question. Je reviens. Mais tu désires quoi ? Velirad. Il est où Velirad ? Non ? Non, il est où vite, Velirad ? Frérot, faut que tu me... Faut que tu tankes, là. J'ai besoin d'infos, là. J'ai besoin d'infos sales. Au sujet de... Pas de... Au sujet... Chut, est-ce que la... Qu'est-ce que je n'ai... Ah, c'est vrai que j'ai déjà fait ça. Je ne m'inquiète pas. Quoi ? Parler ? Ah oui ? Je dois... À plus tard. Non, mais non, pas plus tard, par contre. Alors... Quoi ? Quel est le plat préféré de la princesse ? Dégote-moi une boisson plus forte et je te le dirai. D'accord. Il n'y a qu'à demander, j'ai que ça. J'ai le... Du calme, Burgrave. Je t'écoute. Non. Non. Tiens, voilà, hop. Donnez ça. Ah, là, parfait. Beaucoup mieux. La princesse a eu une enfance difficile. Quoi ? Elle en a conservé un penchant pour la viande. Qu'est-ce que je peux pas saquer la viande crue ? Nous taisons ce détail. Je vois. Rien d'autre ? Talar est furieux. Ses espions parcourent le royaume pour la nourrir. Merci. Comment je vais choper de la viande crue ? Il y en a pour lui ? Il en a sur lui ? Genre il se travaille avec de la viande crue ? Non, attends. Gérald ? Tu ne saurais pas quel est le plat favori de Ada ? Pour nous autres agents secrets, c'est le bien bas. Bah dis-le moi, s'il te plaît. C'est quel plat ? Va dans la salle à côté et rapporte-moi la lettre qui est dans le coffret avec les armes de la Téméria. Et te fais pas voir. Mais... Après, je te dirai quel est le plat préféré d'Ada. Tout à l'heure, aussi appelé le frigo. Et alors ? Salade tomate oignon, chef ? Sans voilà, problème. J'ai déjà pré-shot la lettre parce que je suis intelligent. Un bon espion. J'exagère, une chèvre ferait aussi bien. Voilà. Bon sang. Quel est le plat favori de Ada ? Le cassoulet. Quoi ? Pas du tout. Il y a quelque temps, un taré qui te ressemblait est arrivé à Vizima en prétendant que rien ne valait la viande de Catoblepas. Tu veux rire ? Pas du tout. Depuis, mes gars chassent le Catoblepas. Non, en même temps, une pute, ça coûte rien. Ça coûte plus cher qu'une pute. Comment cuisine-t-on la viande ? C'est les affaires du Burgrave. Ah, moi, j'en fais passer en contrebande, mais je sais pas comment ça se cuisine. Alors là, c'est la... Oh là ! Je devrais aller chercher la même chose. Ok. Ok, alors, je sais ça. Oh, bon. Je vois. Talar est furieux. Merci. C'est tout ? Je vois. Merci. C'est tout, ok. Alors, voyons. Parce que... Alors, quand même. Oui, c'est... Ah, ça a piqué, non ? Non. Alors, je trouvais de la viande de Catoblepas pour Ada. Il me faut un miracle ou de la magie. Ah, d'accord, ok. De la magie. Oh, tu veux faire de la fausse viande ? Gérald. J'ai besoin de ton aide. C'est important, Triss. Ah, bah, c'est plus qu'important. Hein. Ada, c'est peut-être quelque chose d'important. Tu crois ? Non. Elle veut du Catoblepas. Le meilleur. Le plus rare. Tu plaisantes ? Triss, lance une invocation, s'il te plaît. De la magie en pleine soirée ? C'est très mal vu. Vois-tu comment je m'en bats les couilles ? Je m'en occupe moi-même. Ouais, non, maîtrise, visage de chouin numéro 47, hein, vraiment, clairement. Mais il est pas mauvais, elle est pas moche, hein. Elle est vraiment pas moche, hein. Du filet de Catoblepas. Genre, c'est un joli visage, ça va. Pour l'époque, c'est un joli visage, je trouve. Merci. Je sais aussi invoquer des orgasmes. Je préfère la méthode classique. De quoi ? Pas moche, mais tu sais une chance. Oh oui, bah ça va. Vous avez quelque chose de bon pour moi ? Ok, oui. Du bœuf à la tartare. Cru et accompagné de son jaune d'œuf. Vous savez faire plaisir à une femme. Et c'est que le début ! De vous servir. Rejoignez-moi dans mon alcôve. Yes ! De celle qui ressemble à un rendez-vous amoureux. Et c'est mardi ! Resave. Ok. Je sais pas pourquoi, mais ok. Ok. Oh là là, en plus j'ai gagné un niveau sur le e-sex. Quel bonheur. Dans le doute, ouais, on sait jamais. Eh madame, dépêche-toi. Oh là là, je suis plein comme une barrique. Allez, Adada sur mon bidet.
Allez, ferme la porte. Enfin, après, moi, je m'en fous. Et c'est parti. Enfin. Parlons politique, mais soyons discrets. Yes. Ah, j'ai... Attends. Son Excellence m'a... J'ai bien fait de sauvegarder avant, Hadès. Déshabillez-vous. Ah, d'accord. Votre Excellence. Je vous répondrai le moment venu. Ok, d'accord. Mais je veux savoir si ces légendes sur votre... Alors, Hoffman, je pense que t'as ta réponse. ...sont exagérées. Oh, bah, à vos ordres, à bonne dame. Mais je l'espère bien. Et c'est parti. Ah, oh, quel bonheur. Quel bonheur. C'est pour ça que je joue au jeu, hein, 100%. Oh là là là. J'étais obligé d'en mettre un petit coup. C'est gratuit, c'est... Oh, il y a magie. De quoi il y a peut-être... Tu les as pas vus, là, peut-être. Ils sont pourtant en gros plan. Gérald, j'ai discuté avec deux... Non, moi, j'ai discuté avec la princesse. Tu crois que ça en vaut la peine? Ouais, j'ai réussi mon ratio. Une baisse par stream, on est bon. Tu devrais l'accepter. Tu ne me manipulerais pas comme un vulgaire instrument. Je peux arrêter de streamer, je suis content. Je suis bon. Au lit. Attends, juste, j'ai pas changé de... Non, d'accord, ok. On sait jamais, des fois, ça bug. Alors, Ok, les pas de danse. Tu te rappelles notre conversation sur l'identité? Tu as progressé? Je ne sais pas trop. Ah, c'est tout. Attends, je peux parler à Ado, quoi. Ok, elle est partie, elle est partie, elle est partie. N'empêche que la noble Ken, alors qu'il y a 10 cas personnes juste à côté de sa chambre, c'est le... Elle s'en fout. T'ennuie. Elle s'en fout, vraiment, c'est le dernier petit souci. Plus réjouissante. Oui. Mm-hmm. Oh putain. Oh, il enchaîne, le con. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bon d'être sorceleur. Ravi que vous vous joigniez à nous. Qui a-t-il? Encore des marais. Voilà, la poteau. Venons-en au fait. Gérald, je t'en prie. Écoute ce que Declan a à dire. Laissez-moi deviner. Il vous faut quelqu'un pour un sale boulot. À direct, comme ça. Et vous pensez qu'un sorceleur amnésique serait parfait? Exactement. Il était pas derrière vous moi, là. Aiderez-vous à anéantir la salamandre? Je vous aiderai, mais je ne suis pas votre ami pour autant. Magnifique. Exactement ce qu'on nous avait dit. Bien entendu. Toute société secrète a besoin d'or. Oui. Oh non, jure, j'aurais pas dû le revendre. La meilleure rentabilité pour la salamandre. Ah, mais j'ai pas rendu à lui, je crois. On parle d'un nouveau camp de la salamandre dans les marais. Ah, d'accord. C'est là qu'il récolte les plantes avant de les acheminer vers un autre repère du quartier du temple de Vizima. Oh, on va enfin taper des bandits. Et les bas-fonds. Quelle joie. Même lui en a plein nous le cul. Nous savons que vous réussirez à détruire ces deux plantes. Ah, normalement, c'est à lui, enfin, c'est ce qu'on si m'avait dit, je crois, Hadès. Le moindre indice, le moindre document, revenez me voir. Oui, mon général. De oui, Herr Général. Permission d'entamer la mission, mon général. Les deux camps sont récents et mal défendus. Un jeu d'enfant pour vous. La salamandre viendrait facilement à bout d'une troupe humaine. C'est tellement plus simple de sacrifier un sorceleur. Je reviendrai quand j'en et saurai et ça coûte davantage. Moins cher, surtout. Si vous avez besoin d'aide, revenez me voir demain. Des fois, les gros plans, ils m'agressent. C'est procurer cette formule à votre intention. Oh. Il nous faut plus de temps. Repassez plus. D'accord, bon, ça j'ai pas le choix. Je crois que j'ai tout fait. Sorceleur. A plus. On peut partir du coup? Pourrais-tu m'attraper un peu de papier? Tu es dans la porte. Hors de ma vue. Oui, tu hors es de ma vue. Okay. Fais voir la quête. Ouais, donc là encore une enquête, la récolte, ok, la source, ok. Ok. Attends, et du coup, vraiment ça active pas de... Ou alors elle va être chez elle du coup? Là, tu penses à une... Mm-hmm. Chez moi. Ok, bah attends, je vais chez elle, mais on va voir si elle est là. Si c'est offert par la maison, je ne crache pas dans la soupe. Loin de là. Attends, il est pas dans la viande. Ouais, bah du coup, ouais, le gamin, je le ferai, ouais. Bah, du coup, s'il pop. Ah, bah oui, si, il faudrait que j'aille voir dans les bûches. Chez les bûches. Ah! Quoi? Oh là, attends, que se passe-t-il? Pourquoi il fait chier le monde là? Eh merde!
Va pas croire cette boîte à merde. Qu'est-ce qui ne va pas, Talar? Il est dans le coup. La contrefaçon des décrets royaux. Mais... Où tu t'es procuré le sceau royal, salopard de suceur de couille? Eh ben... Comment osez-vous m'accuser, bâtard? Et enfin qu'on met pas des 5 minutes sur le jeu parce qu'il en ferait des pompes, le chien. Un décret royal porterait la signature de Foltest. Le roi n'a pas à signer tous les décrets. Le sceau est authentique. Vous mentez, de Wette. Vous serez pendu. Vous n'avez aucune preuve. Non, on dirait le mérovingien dans Matrix, mec. Ne mêle pas de ça, sorceleur. Jamais. Vous ne mourrez pas vivant, salopard. Mais attends, mais je suis... connaissant le futur, là je ne peux pas. Je... Attends, déjà je vais écouter l'argument des deux camps. Je ne peux pas ne pas le tuer en fait tout à l'heure. Sinon, je ruine littéralement. Enfin, je fais un time paradox. J'écouterai les arguments des deux camps. Sorceleur, êtes-vous un honnête homme ou un lâche? Que voulez-vous de Wette? Cet escroc de Talar refuse de se soumettre à un décret du roi. Quel décret? Celui qui le démet de ses fonctions. Ah. Vous voyez, Talar est par la présente démis de ses fonctions de chef. C'est bizarre, non, ça c'est trop gros quand même, j'y crois pas. Talar refuse? Oui. Bah, bien sûr. Si vous êtes un bon patriote, exécutez-le. Mensonge! Le décret est un... On peut pas être honnête, et là je vais bien sûr aussi. Il meurt d'envie de me voir éliminé. Mais, non mais ça, ils connaissent pas... Vous serez pendu, traître. Gérald, ramenez-moi ce bandit, et pas non, forcément en un seul morceau. Non, attends, je vais écouter ce qu'il a à dire tout à l'heure, mais je pense que c'est trop gros. Là, c'est un peu trop gros, pareil. Là, c'est... L'écriture, ils ont écrit ça avec un bulldozer. Ne le touchez pas. Vous le regretterez. Du calme, prêtre. Merci, d'accord. Gérald. Dieu, je dis du calme. Je devrais te faire oublier quelque temps. Bonne idée. J'ai hâte de parler. C'est tout? Plus tard. Même pas de baston? D'accord. D'accord. Retrouvez-moi au banquet donné au nouveau Narakor. Vous allez me dire, ouais, il semblerait que l'édit que des métallards de ce fonction, c'est un faux talent à proposer de le rejoindre. Putain, j'ai pas le temps de dire. Il y a tellement de quêtes, mec. Au nouveau Nanakor pour plus de conversation, ok. Donc, je vais aller chez Triss, vite fait. Il y a eu un petit quake, ouais, non, il y a eu un petit quake. Attention, chez Triss, déjà. Non, la map, la map, la map. Forgeron, herboriste, maison de Triss. Je vois si elle est à la casse-bas. Il y a tellement de nouvelles quêtes. Après c'est normal, hein, nouveau chapitre, donc nouvelle quête, hein, c'est obligé. Non mais j'ai... Maître Sorceleur. Oui. Oui, petit. La banque a été dévalisée. Maître Vélérad a envoyé Kirir un sorceleur. En même temps, mec, tout le monde m'agresse. Quoi, Maître Sorceleur? Putain, je suis obligé de le suivre en plus. Bon bah j'irai après voir Triss, c'est bon. Putain, je le rattrape. Rends une merde. Non mais... Oh, c'est quoi? Ah, des bébéris. Je crois. Le mec il fait la queue en même temps. J'ai sommeil. Cours plus vite. Trace ta mère. Il nous faut du renfort. On dévalise la mec, c'est niqué la timeline. Siegfried hein. Ne profite pas d'une il y a une fête de nobles avec des avec une princesse. Des on dévalise la banque. Il y a fait y avoir banque. De la trahison, c'est n'importe quoi. Ah bah d'accord, complètement. Je vais vous aider, mais je travaille seul. Je déconseille un assaut frontal. Vélérad, vite. Tu pourras peut-être entrer par le passage qui la relie au dépôt. Et je bois fouiller de ouf. Une passerelle étroite. Elle n'est guère utilisée, mais j'ai la clé. Pas utilisée? Les femmes qui travaillent à l'hôtel de ville parlent de... J'en ai littéralement croisé au cimetière, c'est tranquille. La clé. Hein. Bon, du coup, je vais sauvegarder. Et je vais essayer de faire un tour du Fausch, comment dire. Et je vais aller dans la maison de Triss. je pense pas que ce soit timé en fait, la quête là. Juste que dès qu'elle est là, bah, elle est dispo, quoi. On crève de chaud là-dedans. Oui, mais je suis skillé, Nick, bien entendu. Je vais pas me faire one shot. Ah ah, hihi. Elle est où la porte? Okay. Est-ce qu'elle est à la maison du coup? Enfin, est-ce qu'elle est dans sa maison? Bon, déjà, elle est pas au premier. Oh, je sais plutôt. J'ai fait la même, ouais, bah. Ah, c'est souvent le bordel quand t'appelles des potes, donc
Ah, elle est pas à la maison. Ah, quel dommage. Bon bah je vais aller faire la banque. Non mais le jeu il suit pas ses propos aussi, c'est un malandrin. Bon courage et merci. Tu vas voir. Inch'Allah je meurs pas. Oh là là, j'ai trop de tiettes par contre, c'est... Ouais, les yeux bleus Isabella, les yeux bleus, m'en fous. Même si j'aimerais bien la faire la quête aussi. Noblard, non... Ah ouais, hop. Et Zeberdi... Hop, passer par là. Les bandits sont de plus en plus audacieux. D'accord. Normalement, je passe pas par derrière, c'est bon. Il y a quoi là-bas? Nous ne tolérons aucun désordre. Au service de sa majesté. D'accord, bon, ils ont bloqué la route. Ok. D'accord, ok, c'est derrière. Ah oui, donc c'est vraiment... C'est vraiment coupé en deux, quoi. C'est vraiment bien bloqué, même les routes, quoi. Pourquoi attaquer l'hôtel de ville? Chez-vous. Circulez, je veux voir. Ah merde. Mais oui. N'approchez pas. Allez, ça dans le studio. C'est par là? Non, c'est pas là. Merde, non, je peux pas le sélectionner de toute façon. Bah c'est où? C'est où l'entrée? Je comprends pas. Le thème de la ville. Oh, mini-moi. Montagne de sel. Le thème de la ville, il est génial. Ils n'ont qu'à les enfumer. Mais pas assez payé pour ça. Ah mais c'est là, je suis trop con. Ok, voilà. Ok. Attends, je sais pas. Y'a rien ici. Ah, mais de quoi il y a un noctule? Ok, d'accord. Ah, mais il y a plein de noctules. Mais c'est quoi ce bordel, putain? C'est pas vraiment des... Oh, j'ai mis saignement en plus, quel bonheur. C'est... Ah, mais il m'a grignoté! Non, ouais, c'est pas trop des fantômes. J'aurais préféré que ce soit des fantômes. Des humains encore. Je peux utiliser Axie dessus, mais là ça passera pas sur les pieds, je pense. Ah, mais j'en ai fumé un, attends. Hop, je vais finir comme ça. Oh, hey, mais sérieux. Le combo finish coup dans les burnes, il m'assassine. Hein. Hop, en plus j'ai des trucs de quête. Parfait, je crois que les dents de nocturne j'en ai besoin. Attends, juste regarder vite fait les gars. Ah voilà, les crocs de 3 noctules, bon c'est que ça, il m'en manque plus qu'un. Ah bah il m'en manque peut-être 0 en fait. Voilà. Est-ce que... Il peut pas... Ah si! Oh, oh, c'est génial! Oh, c'est parfait! Ah, tout le reste de la quête, il est dans le noir! Parce que je me disais, c'est que le rez-de-chaussée. Donc, je vais pas en boire. Mais si tout le reste de la quête, il est dans le noir, je vais en boire alors. J'en ai un normalement. Chat, voilà. Hop. Ouais, bon, d'accord, ouais, j'ai bien fait. Que des noctules hein. Bon après ça me pose pas trop de problèmes les noctules. Ah merde. Putain j'ai confondu. C'est vrai que quand il me tape Mais après c'est pas des noctules qui ont attaqué la banque donc à part si c'était qu'un prétexte mais je pense pas. Oh là là, oh là 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 là. Non mais après là j'y vois mais ça pour l'instant c'est pas trop compliqué. Juste remanger un petit bout. Je vais pas utiliser d'hirondelle maintenant, hein, clairement. Hop, miam, miam, miam. Une gigantesque myrtille. Bon, bah, je prends.
Non, je prends pas. Oh, bah, bonjour monseigneur, comment allez-vous? Oh sérieux, il voit pas le jour, c'est trop bien. C'est trop... Oh bah, il voit le jour lui. J'ai enculé des caisses. Vraiment, je les ai démontées. Putain, il y a... Ah, petite chance de stun, hein, c'est pas beaucoup. Non, par contre, tu fais rien, voilà. Vas-y, je vais peut-être la boire, hein, du coup. Mais pourquoi tu commences The Witcher 2 si t'as pas fait Blood and Vine, espèce de fou? Ah, clic gauche, pardon. Voilà, parce que si ça continue encore... La Scoetel est en bas. Oh, c'est des Scoyatel. Oh, bah c'est bon. Oh là là, mais je vais leur rouler dessus. Il faut faire quelque chose. Mais oui, mais oh, mais main dans le slip. Vraiment. Je suis débile, oui. Tu as quelques soucis, oui. Hop, je vais prendre ça. Si on m'attaquait direct ou ils veulent parlementer? Personne ne bouge. Personne ne bouge. Manifestons à l'hôtel de ville. Éliminez les files d'attente. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Tout le monde à terre. J'embroche le premier qui bouge. Bah non mais... Non. Bon bah... Non mais j'essaie d'être gentil mais... Jamais. Attends mais sors ton épée, trou de balle. Non mais si personne me parle... Oui bah oui. Non mais enfin... D'abord... ouais c'est bon, je suis en groupe en plus. Je vais vous roussir les poils, ça. Non mais oui, bah oui, singe, bien sûr. Non mais il y a un mec qui a infiltré la banque, mais tranquille, pas de problème. Je vous méprise. Ouais, tu méprises que dalle, tu fermes ta bulle. Ta bulle. Ferme bulle. Ah, donne-moi tes sous en plus. Bonheur. Glaphique des montagnes. Ah, des montagnes bleues, non. Toujours trouvé ça stylé, les montagnes bleues. Attends, est-ce que ça, c'est les portes de la banque, c'est dehors ou pas? Non, c'est dans la banque. Ah, j'ai peut-être moyen de parlementer avec eux en fait. Marved, ça ne s'arrêtera donc jamais. Personne ne bouge. Tout le monde à terre. Mais attends, mais. Mais attends, mais y a moins de parlementer avec eux ou quoi? Je comprends pas. Vous avez tué des elfes. Vous avez tué les nôtres et ça vous a mené où? Yevin, du calme. Ah. Nous avons encore le choix. Non, Dwan. Vous avez fait votre choix en levant la main sur nous. Attrapez-le. Ouais, ouais. Vous avez fait le bon choix. Siegfried, que faites-vous ici? Les explications plus tard. Ouais, ouais, attends, j'ai peut-être... J'aurais peut-être pas dû les fumer, en fait. Je pensais que c'était bugué, mais... Ouais, je me disais bien qu'il y avait un chef, mais qu'il soit tout en bas... Bon, ça, je les ai pas encore tués. Ouais, non, mais ouais, c'est... Là, mais vas-y, c'est trop con en même temps. C'est pas grave. Personne ne bug. Ah ouais, mais en plus... Il... Ah ouais, ouais. Super. Bon, alors... Eliren. Connaissez-vous l'histoire d'Eliren, sorceleur? Non. Je suis venu négocier. La rose blanche de Sherawed. Oh là là, il va me faire chier. Par les nains et les hommes sous le nom d'Eliren. Il y a 2 siècles, elle a mené la jeunesse elfe au combat. C'est les bien. Anciens elfes y étaient opposés, sachant la victoire hors de portée. Sachant qu'il serait difficile de se relever après la défaite. Les chevaliers ne vont plus tarder à attaquer. Eliren. La rose blanche. Il me raconte des poèmes. Il est en train de braquer une banque. Et la suivirent pour une dernière bataille désespérée. Ils furent massacrés, sans pitié. Yevin, la banque est encerclée. Ils moururent en prononçant son nom,
En relayant son appel, son cri, ils moururent pour Non, Shiraweg, c'est pas ça, Hades, le méchant. Non, il a un autre blaze. Il y ressemble, je crois, mais il a un autre blaze. Héroïquement. Non. Dans l'honneur. Enfin, c'est pas écrit pareil, en tout cas. Je crois que... Non, c'est Elerin. À quel sujet? Dans le 3, je crois. Vous ne pouvez rester à Califourchon sur la palissade indéfiniment. Surtout quand elle passe au milieu du champ de bataille. Ah, je suis vraiment chier de choisir là, maintenant, quoi. Sérieux? Votre conscience ferait de vous un piètre révolutionnaire. Comment ça? J'avais une bonne raison de parler d'Elyrenn. Nous menons une guerre, Geralt. Une guerre pour notre survie, notre liberté. Inutile d'être des nôtres pour embrasser notre cause. Beaucoup nous soutiennent à leur façon. Et votre spécialité, c'est la traque de monstres. Ouh là 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 là. Parce qu'en plus, c'est même pas... temporellement parlant, c'est niqué si j'aide les elfes, en fait. Parce que dans le 2, t'es au service de Foltest. Et donc... contre les elfes. Alirene, la liberté est un bel idéal. Je suis avec vous, mais souvenez-vous, Yevin, les révolutionnaires victorieux deviennent des hommes d'État. On se souvient de ceux qui échouent comme des criminels. Regarde, Fidel Castro. Je ne me laisserai pas entraîner dans une guerre entre la sécurité et l'ordre. Je suis un sorceleur, je suis neutre. En autre question, je ne pas fou. Oh là là. C'est lesquels les mieux, là? Parce que là, je sais vraiment pas quoi faire. J'aimerais bien rester neutre, mais du coup, ça va probablement servir à rien du tout. J'ai envie de dire que je suis neutre. Et il y a l'autre trou de balle, il va arriver derrière, et ils vont se battre entre eux, en fait. Et moi, je vais faire, bon, bah, d'accord. Bah là, du coup, je vais devoir me battre contre eux. Et là, il va falloir que je les défonce. C'est littéralement ça. Au pire, je rechargerai, on n'est pas à ça près. J'ai une sauvegarde auto qui est juste avant, de toute façon. Je suis un sorceleur. Vous êtes un sot, sorceleur. L'heure n'est plus à la neutralité. Ah, bah là, j'ai pas le choix, en fait. Ah, c'est Eredin, voilà. Ah non, mais là... j'ai aucune idée de... Oh là 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 là, putain. Oh, c'est quoi ces choix? Le mec, il me demande de but en blanc de rejoindre une révolution comme ça, sans argument. Son seul argument, c'est le passé. Ouais, mais fuck les elfes. C'est-à-dire fuck les nains aussi, mais c'est pas ouf, hein, fuck les nains. Je leur ai dit non, moi. Et du coup, ça a fait quoi quand tu leur as dit non? Genre, vraiment, du coup, t'as exterminé tous les elfes. Tous les elfes du jeu. Je sais pas quoi faire, en fait. Je t'avoue que. Des fois, j'ai aucune once de. Aucun remords à choisir des camps. Mais là, je sais vraiment pas quoi choisir, en fait. Parce que les elfes, ils se battent quand même pour leur... un petit peu comme pour les... comme pour les afro-américains aux US de maintenant, j'ai envie de te dire. C'est même pas une vanne, en fait. Du coup, me battre contre la répression elfe... Le truc, c'est que je connais la suite de l'univers du jeu. Et dans le 2, bah, t'es à la botte des humains. Donc c'est ça aussi qui m'énerve, en fait. Vu que je connais le futur, c'est... Je sais pas si c'est compréhensible, tu vois. Genre là, j'aurais pas connu, ça se trouve, j'aurais choisi au pif, genre m'en fous. Mais vu que je connais le futur, c'est... Je sais pas, c'est bizarre. Dans le 2, tu peux re-choisir. Bah ouais, je crois que tu peux re-choisir en plus. Mais là, je sais pas, y'a rien qui m'attire en plus chez les elfes. Mais y'a rien qui m'attire chez les humains non plus, en fait. Genre, le bargain, il est nul. Y'a rien des deux côtés, enfin... Genre, littéralement, on me demande de choisir entre deux mains vides. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? C'est pour ça, là, enfin... Ok, je vais devoir me battre contre les elfes tout le temps. Mais, enfin, tuer des humains... Enfin, ce que tuer des humains, c'est chaud. Parce que les humains, du coup, se dire quoi? Se dire que tous les mecs de l'ordre, tous les mecs de l'ordre, ils vont vouloir me castagner le visage. Moi, c'est juste pour la banque que je les avais envoyé chier, mais je pensais pas qu'ils auraient... Non, bah si, du coup, c'est pour ça que je m'arrête un petit peu, c'est parce que les choix comme ça, c'est pour tout le reste du jeu, quoi.
Les humains ont de l'argent pour toi et les elfes ont juste de la salade à te donner. Ouais, bah je pense que je vais enculer les elfes, hein, du coup. Mais là, ouais, c'est dommage de... Là, c'est des choix tellement importants. Et je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir aussi peu d'informations. Je trouve qu'on a eu vraiment, on a vraiment eu peu d'informations pour le choix que c'est. Après, c'est aussi ça dans la vraie vie, tu vois. T'as pas forcément toutes les infos tout le temps et le choix, mais bon. C'est dommage, quoi. Enfin, c'est pas une vraie critique, mais... C'est juste que ça me saoule parce que je sais pas quoi choisir. Vas-y, je vais fumer. Aucune rhétorique ne me poussera à tuer des humains. Jetez vos armes, et ce qui reste de votre groupe aura une chance de survivre. Non, mais c'est bon. Vous êtes un traître et un imbécile. D'accord. Vous avez fait le bon choix. Entre des mecs en peau de bête et des mecs en armure de plate, mon choix est fait. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Que faites-vous ici? Vous ne devriez pas. Les explications plus tard. J'avais pas vu l'épée de Siegfried. Elle est trop stylée, sa mère, hein, par contre. Hein. J'ai envie d'assassiner des gens là. De quoi? C'était quoi ce finish move? Je perds trop de vie. Je me fais fumer ma race. Je me fais fumer ma race, hein. Non, trop tôt. J'ai tiré mon jeu trop tôt. Ils m'ont fumé. L'honneur ou la mort. J'aurais pas dû faire un... Putain. Ouais, bon, moi, je speedrun le dialogue vite fait. J'aurais pas dû faire un deuxième Cohen. J'aurais dû faire un deuxième... Stun pour en fumer un autre. Ouais, à chaque live, il y a un nouveau finish, c'est cool. Au moins, c'est-à-dire que le jeu, il se renouvelle un petit peu d'heure en heure. Et c'est sympa, hein. Vas-y. On dirait des mouches dans la mélasse. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on tue pas des humains comme ça aussi. Il est fou, lui. Elle est juste là, les chevaux. Elle est vite. Il mourut. Vous y étiez. Non, mais tu vois, il y aurait eu une. Il y aurait eu une paire. Quel sujet. Vous ne pouvez rester à deux personnes. Sur la palissade indéfinie. Vous voulez que je pour me convaincre que j'aurais peut-être rejoint les elfes. Comment ça? J'avais mais là, il y a juste un mec en peau de zob. M'en fous, tu vois. Apparemment, je vais juste refaire ça. Voilà. Hop. Son épée, elle est vraiment trop stylée, son épée, Valentin. Putain, mais ça l'a pas tué. Oh, lui par contre ça l'a fumé sa race. Mais en fait les nains ils me kéblo. Ces chiens me bloquent. Tu vois. Hop. Dans le 2 ils tombent pas mal les finishes aussi. Ah bah j'ai hâte. Je pense, de toute façon je crois que je le dis à chaque fois, mais je pense que le 2, quand j'aurai fini le 1, le 2 je le ferai vraiment pas tout de suite. Mais je le ferai, ça c'est sûr. Putain, il m'a... Ah, d'accord, il est tombé en retour. Faut te réveiller, frérot, faut te réveiller. Là, tu m'as vraiment foutu en rogne. Mais je comprends pas trop le système d'esquive, en fait. Ouais, bah j'ai pas voulu foutre de mode là pour le 1. Mais c'est bon, c'est fini. Ouais, oh, c'est bon, il est juste blessé. Là, j'ai pas trop voulu foutre de mode pour le 1, je vais pas te mentir. J'ai voulu jouer un petit peu Vanilla, tu vois. Ne parle pas de soucis, je t'en supplie. Mais je pense pour le 2, s'il y a des modes sympas, ouais, j'irai voir ce qu'il y a.
putain, elle est stylée ça d'agronique. On m'a fait des dégâts de merde, mais putain, il y a du poulet. Ah non, c'est du porc. C'est pour sortir du groupe. Ouais, ouais, ouais. Bon, j'en ferai peut-être un peu plus, mais c'est vrai que quand t'es en groupe. Même le combat. Par contre, j'ai bien fait de up le combat de groupe. Hein. Parce que là, mon gars. Ok. T'es mort ? Ne faites pas de mal ! Ah, d'accord, c'est juste. Conduit des égouts ? Ah, c'est par là que ça. Ok, c'est oui. Mauvais signe. Ah ! Je suis blessé. À vous d'attraper Yevin dans les égouts. D'accord, ok, il a fui. Quel chien. Non, mais parle pas de. Porte pas l'œil, Hadès. Je l'ai fini juste eux. C'est juste pour le gold, hein. C'est juste pour les 5 de gold qu'ils ont dans leur inventaire à la con. C'est ni plus ni moins, hein, vraiment. Morveux, arrêtez. Non. Putain, il m'a mis une flèche dans le thorax. Elle m'a mis une flèche dans le thorax. Donc voilà, par contre, c'est fini. Bah non mais ouais, là c'est vraiment pour les golds, même pas trop pour l'XP, je m'en... Putain non, par contre elle m'a double stun là, t'es serre. Mais casse-toi, voilà hop. Là parce que je crache pas sur 10 golds. Non par contre, y'a pas de reste. Si y'a de reste, voilà. Putain par contre, avoir mis... Vous commettez une erreur. Je sais pas s'ils sont pas morts en fait là les banquiers, mais c'est pas grave. Je ne crache pas sur la petite monnaie. Non, je peux pas. Non, je peux pas y aller. Dommage. Ok, le fantôme. Ouais, ça bug un peu. Je vais finir ceux qui sont là aussi. Et après, je vais aller suivre l'autre dans les aigus. Tout le monde à terre. Ah, eux, ils sont pas au courant, eux. Bon, on va les mettre au courant. T'inquiète pas. Hop. Je vous méprise. Allez, hop, dans ta gorge, c'est fini. T'en as plus. Tiens, un petit second parce que j'ai envie. Ah, bah d'accord. Bon, bah la cinématique n'a pas eu envie, elle. Ils sont stylés avec leur double lame quand même. Non, mais par contre, voilà, faut arrêter de me taper en boucle là. Oh, c'est tellement sale les exécutions. J'adore. Ah, voilà, il voit pas le jour. Ça fait quand même du bien de tuer des elfes, hein. Fuck the elves, though. Ok. Et voilà, regarde, lui, il avait presque 10 balles sur lui. Bon, il avait rien. Voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'on se fait de la petite monnaie. On va chercher le pain. De refaire le bain. D'accord, ok, apparemment j'ai appris une potion que j'avais lootée quelque part. Hop. J'ai rien d'autre pour pour la vie. Pour la vie. Non, j'ai rien pour la vie. Ok. Pour la vida. Pour la vie en espagnol. Mais oui, je suis bilingue. Parfois espagnol du tout. Le concierge va avoir du boulot. Ah bah. Jure, vous allez mieux maintenant. La flèche dans le dos, ça va tranquille, pépère? Non, bah d'accord. Porte verrouillée. Et cette porte n'existe pas, apparemment. Oh, les marteaux de bâtard! Et B. Vas-y, on va essayer de pas mourir dans les égouts. Ah putain, encore les égouts, pardon. Encore des égouts, sérieux. Oh! Mais c'est pas des égouts, ça! C'est un château! C'est quoi vos égouts, là? Oh, what? Mère, il est fou! Que le feu éternel guide mes pas. Allons simplement le chercher. Bah ouais, non, bah là, je sais, ouais. Mais c'était quoi ce saut? C'était quoi ce regard caméra? Mais il est complètement malade! C'est par là qu'il faut aller? Je vais pas aller par là. Oh, c'est de la drogue. Ah non. T'as vu mon ombre? Est-ce que t'as vu l'ombre qui a fait n'importe quoi? Si
Si, si, il était. Il était blessé aux dernières nouvelles, mais apparemment ils sont. Ça m'a terrifié. Mais apparemment ils s'en battaient les couilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, elle a des nibards. Pardon. Bon, bah, qui que tu sois, je te fume ta race, hein. Sois d'accord. Bah, tu réagis pas aussi. Oh, non, non, c'est 100% des ruines elfes, hein, Hades. Il a dit quoi? Il a vertu la mort? Je peux pas la. Pousse-toi, caillou. Ah, je peux pas la loot. Ah, elle est dégueulasse, hein. Ah, je peux me reposer, ça, c'est cool, par contre. Oh, quel bonheur, quel bonheur. Quel bonheur. Mais oui, mais je dis oui. Oh. Oh bah d'accord, c'est quoi ça? Bénédiction du feu, ok. Oh ah. Pardonnez-moi. Ok, je suis quasiment plein. Au pire, je niquerai des silex. Merci. Est-ce qu'il vient de m'ignorer là? Victoire! Voilà. Oh, oh! Oh, ce qu'il a mangé! Fallait pas m'ignorer, frérot. Oh, une bague. Franchement. C'est vexant, c'est très vexant. Surtout quand il s'appelle maître d'armes, c'est super vexant. Du coup, je lui ai vexé sa grand-mère là. Il a bien compris qu'il fallait pas m'ignorer. Ah, ils sont beaucoup quand même. Tu vois que... Là, tu vois que... Eh, ils sont beaucoup quand même. Attends, parce qu'ils sont... Ils sont beaucoup quand même. Oh, j'ai chaud. Ok, c'est parti. Ok, aucun stun. Quel déshonneur. Bah d'accord. Non. Ok, c'est bon. Ok, oh là là. C'est tellement un bonheur le combat. Attends, bah du coup je vais faire ça. Ah, puisqu'il en, on en vient. Est-ce qu'il était en train de bouffer? Il était en train de se régène là le bâtard? Oh non 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 non. Attends, 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 attends. Déjà ça dégage. Non, parce que là les bagues. Là, les bagues, je vais me faire tellement d'oseille, mec, c'est un truc de fou. Vraiment. Oh, ils sont riches en plus. Que le feu est... Ok, ça va, il est toujours debout, toujours vivant. Non, 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 mais bien sûr que oui. Dégage. Voilà, bien sûr que oui. Oui, bah oui, mais en plus, ils sortent de la banque, donc ce serait con de ma part. Qu'est-ce que. Oh, putain. Mais autant l'utiliser quand j'en ai besoin. Hein. Je suis pas fou. Enfin que ça se stack, ça par contre. Il toi. Ah ouais, putain. Ouais, mais j'ai pas de heal. Là, je suis dans la sauce un peu. Attends, je le fais après. Oh, hey, mais oh là 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 là. Il est trop stylé, mec. Oh, c'était trop stylé. On dirait qu'il s'est échappé. Ah, voilà, mais nous l'avons expulsé de la banque. Merci pour votre aide. Comment vous récompenser? $1 million. Vous savez où me trouver. Mec, le petit backflip. Oh, je prends ça. Bah, peut-être accomplir. Pourquoi tu me regardes? Hop, je me suis fait masse de cadavre. Oh, pauvre con. M'en fous, donne-moi ça. J'ai pas de bouffe sur moi. J'ai de l'alcool, mais ça rend pas vraiment de la vie, je crois. Non, j'ai pas de bouffe en plus. J'ai pas de potion de vie non plus. C'est pas grave. Normalement, ça devrait être bon. Je pense pas tomber sur grand chose de toute façon.
peut-être quelques bestiaux, mais je sais pas trop. Barreau, savez-nous? Bien, oui, d'accord. Non, mais ça devrait aller, je pense, ça devrait aller. Au pire, ça va être quelques noyeurs, ça va pas être la mort, je pense. Ouais, voilà. Ah, par contre, ouais. Par contre, faudrait te battre un jour, voilà. Ouais, je les déchire. Les noyeurs, je les déchire. Mais pourquoi objet à dépecer, je comprends pas. Le double cliquer pour déposer ou cliquer. Objet à dépecer. Double cliquer ou glisser déposer dans l'entrain. Ouais, mais. Oui. Ah, c'est juste parce que je connais le bestiau. Du coup, je peux le dépecer, c'est tout. D'accord. J'ai pas trop envie de les explorer maintenant, je pense que je vais juste me barrer d'ailleurs. Bon d'accord, j'ai pas le choix, je vois. Point faible trop fort, hein, vraiment. Quand même les loot, hein, je suis pas fou. Oh, il avait 2 balles. Dis donc. Oh, mais lui aussi, dis donc. Hop. Ah, je peux pas récupérer le champignon. Ah, maintenant, je peux récupérer ça, du coup, le bidon. C'est bon, j'ai récupéré rien. Ouais, c'est bon. Non, par contre, faut arrêter des... Oh là là, je l'ai enculé. Ouais, non, je perds vraiment pas de vie contre eux, c'est vraiment tranquille. Hop. Hop. Je sais que j'en ai peut-être pas forcément besoin, en vrai, de ramasser tout ça, vu le stack que j'ai. Mais bon. Pourquoi y a... Ok, c'est super chelou. Designement parlant, c'est bizarre. Ok, bah y'a un feu là, au pire, je vais pioncer une petite heure. Hop, en plus, j'ai des nouveaux talents, c'est vrai que j'ai passé un niveau. J'ai passé un niveau tout à l'heure. Alors, dans quoi que je vais te mettre? C'est vrai, il y a tellement de trucs à up, mec, c'est un truc de fou. Je peux utiliser les synergies 2 fois par jour. Ouais, non, intelligence, y'a quoi? Je vais tout utiliser. Intensité signe pure 20. Peut-être. Attends, est-ce que je peux. Quand même la puissance de 50%, vas-y, je vais prendre ça. Ok, je vais prendre ça. Envoûtement plus 25 et dur des effets critiques plus 50. Voilà, hop. Est-ce que je peux me faire. Parce que là, j'ai masse popo. C'est quoi, c'est Hydragum? Ah, donc ça c'est quand j'en ai que un. Et du coup c'est du vitriol, mais vitriol en plus j'en ai plein. Voilà, hop, regarde, parfait. Ça c'est quoi? C'est du gui. Cristaux d'Albar. Ah, attends. Du Hydragenum. Est-ce que j'ai autre chose en plein de... Parce que là c'est chaud. Non. Si, voilà ça. Hop. Voilà. On sent la gens des idées. Vas-y, je vais faire ça. Tu vois, ça me saoule ça. C'est du vitriol, mais du vitriol en plus. J'en ai 31 et ça l'utilise pas, c'est trop chiant. Ok. Bah, je peux faire. Une autre rondelle, voilà. On va faire une autre, hein. Ça c'est fait, j'en aurai 2. Hop, je vais dormir une petite heure. Oh! Ah oui, non, j'ai réglé le médaillon sur monstre, on va pas sur magie. Je sais que je m'en fous un peu de la magie. Anneau d'or et de saphir. Chevalier en argent. Ouais. Juste une heure, 2 heures.
Je crois avoir vu que l'elfe qui s'est enfui, tu peux le baiser si tu l'aides. Ah oui, d'accord, mais je ne suis point homosexuel dans les fesses. Je ne suis point un déviant. Donc bon, au pire, m'en fous. Je vais... C'est une raison de plus pour le tuer, d'ailleurs. En fait, c'est surtout pour ça. Je cherchais une excuse pour ramasser le loot de noyadeurs, enfin de monstres. Surtout que eux, en fait, ils ont tellement du bon loot pour faire du heal que c'est trop bien de le ramasser. Enfin, tu le ramasses et t'es tranquille à vie, quasi. Genre, le cerveau et la bave, je crois que c'est la bave, ça redonne tellement de trucs, mec. Quoi là-bas? Attends, j'explore en même temps. Y'a un mec? Corps mutilé. Bah d'accord, il avait juste 28 balles sur lui. Ok. C'est fermé ou c'est ouvert là-bas? Fuck me, boy. Bon bah c'est juste parce que c'est toi, hein. Oui bah oui, non mais c'est cadeau. C'est cadeau, c'est gratuit, c'est bibi, c'est yo-yo, c'est pour moi. Qui mise à chier. Ok, c'est de ressortir de ça. Les égouts, c'est vraiment, ça me saoule. Pauvre noyé d'or en plus. Oh ben. Oh, let's go. Ah, je suis en combat. Attends, monte. Attends, vu que j'ai les clés des barreaux, je vais aller là-bas. Je pense qu'il va y avoir une quête pour... Enfin, une quête dans les égouts, mais bon. Au moins, ça sera déjà fait, quoi. Ah, mais me suis pas. Casse-toi. Hop. Ouais, accomplir le rituel. Ah, mais c'est des bandits! Rien. Pêche-le. Qu'y a-t-il? Rien qui te regarde. Que fait-on? On chasse les rats. Y'a rien à faire ici. Ok, donc ça, c'est là où il y a la salamandre. Ok. Bon, moi, bah, j'y retournerai plus tard. Il faudra que j'y aille, de toute façon. Mais là, c'est 100%, c'est la salamandre. Enfin, c'est cramé en même temps. Des bandits dans les égouts. Si tu veux, s'ils font pas de la drogue, c'est qu'il y a un problème avec eux, quoi. Je peux pas me barrer là vite fait, hein, en deux spins. Je suis obligé de me battre. Ah, c'est peut-être là. Me battre. Ouais, non, mais j'ai déjà la clé, j'ai déjà ouvert. Enfin, c'est devenu du menu fretin, sérieux, les noyeurs. Faudra arrêter de m'attaquer un jour, hein. Ça devient trop facile. Ah, je sais où c'est au moins, enfin, ça c'est tranquille. De toute façon, les égouts, c'est tout le temps pour des quêtes, hein, de toute façon, tu vas pas... Ils ont pas fait de niveau dans les égouts forcé, tu vois, genre t'es tombé quelque part et tu dois aller dans les égouts, enfin, t'es bloqué dans les égouts, quoi, c'est juste, bon, bah... De quoi, Samperfi? On jouait XCOM, là, ou quoi? C'est dans combien de temps, ça? À 20h, quand même. C'est pas mal, ça. Hop, voilà. Non mais arrête de danser, hein, c'est fini. On crève de chaud là-dedans. Bah, en même temps, après un combat rude comme le tien, ça ne m'étonne pas. Je sais pas pourquoi je parle comme si je faisais un petit peu d'ASMR. On m'en fout. C'est bien. Hop, petit chat. C'est quoi l'affiche? Oh, mais c'est ok, c'est une ref aux États-Unis, ça. C'est stylé, mec. J'aime bien. Petite prise politique. Se moque un peu. Ah, bah. Tiens, 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 la salamandre, vous ici. Ouais, j'ai pas lu, mais c'est vrai que c'est marqué beaucoup pour pas grand-chose. Faudrait que j'essaye Axie aussi un jour. Oh non, leur langue elle est vénère, mais c'est comme le russe. Tu parles, non, l'allemand plutôt. Parce que le russe encore, ça va. C'est assez logique. Oh, je vais faire ça. Je suis en train de taper. Ah non, il est pas désarmé, ok.
Mais c'est comme l'allemand, les mots valises, ils font que ça. Hein. C'est pareil. Voilà. T'es mort. Je prends. Merde. Oh, attends. Pardon. Il y en a encore ou Non, c'est bon. Non, c'est bon. Okay. Merci, monsieur. Chez vous. Sans intérêt. Mais attends. Ok. Mais c'est super random, ça. Mais qu'est-ce qu'elle branle là? Bon bah ouais, bah elle a pas choisi son meilleur moment pour sortir, hein. Avec couleur qui vous pète. Non, ah, faut vraiment que j'appelle à... Faut vraiment que... Je vais devoir dépenser un peu de thunes pour apprendre à dépasser. Elle s'est fait vraiment là un viol en récréation là. Bon, merci beaucoup d'être venu pour la resub. Merci beaucoup, poteau. Des bisous. Par contre, je veux parler à quelqu'un. Elle ouvre. Il y en a une autre. Attends, j'arrive. Prends l'XP. Elle était chiante. Ah, je sais. Elle était chiante, la quête des Kikimor dans le 3. On n'est pas assez payé pour ça. Une trash. D'accord. Quoi, attaquer l'hôtel de... Encore un coup de la Squirtle. J'ai littéralement ramassé sa trashée. Pas de problème. Ah, mais s'il est là. Pardon, pas faute. Sorceleur, j'ai entendu des bruits de lutte. Ils sont morts. Presque tous. Presque ? Malheureusement, leur chef m'a glissé entre les doigts. Nous le retrouverons. Tu mérites une médaille. Oh, une bonne prime suffira. Il m'a échappé, mais Siegfried, mais reconnaissant, acceptera sûrement de m'aider si j'ai besoin de lui un jour. Nice. Putain, niveau supplémentaire. Oh, mais ça vient trop facilement, là. C'est trop facile, le jeu, là. Quand je vois mon tableau de quête, j'ai envie de dormir en fait. Il y en a trop, mec, il y en a trop. Attends, ce que j'en ai que j'ai fini. Non. Si, bah attends, te barre pas frérot. Attends. Enfin, nous pouvons rentrer chez nous. Ah, bon, d'accord. Oh, attends, jure, il va se... Non mais ils sont partout, hein. Change d'épée, s'il te plaît. Voilà, tue-le. Voilà. Il y a beaucoup de monde, en fait. Il y a beaucoup de bandits, je pensais pas, mais hop, voilà, je pense ça. Si je peux terminer quelques contrats, hein, enfin valider quelques contrats, ne m'envoyez moi pas contre. Putain, mais il y a encore de la bagarre ici. Ah oui, bah là, attends. Est-ce que je peux tester un truc là? Ah. Est-ce que je peux... Jure, ça la one shot là? Non. Attends, ça la one shot? Ah mais non, il est là. Ouais, mais L'acier résonnera sur l'acier. D'accord, ok. Ah, ça c'est dommage. Mais merde. Bah non, mais... Ah, c'est dommage que tu puisses pas les assassiner quand ils sont envoûtés. On crève de chaud là-dedans. C'est pas ça que t'as dit. Ah, ça c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé les assassiner comme ça. Ça. C'est logique en plus. Ils sont vraiment à ta merci. Ah, tout le monde attendait. Débarre. Hop, ouais, c'est bon. Hop. Mec, je suis en train de leur faire la poche devant eux, enfin. Aucune honte. Putain, il me manque un. Oh, vous saoulez les gars. Non mais vas-y. Hop,
petite esquive gratuite, c'est cadeau, c'est pour moi. Prends que j'augmente le feu contre elle. Ah mais il y en a plein en plus. Ah mais putain j'ai craché de la poudre là. Ah d'accord, attends. D'accord, tu peux charger. Envoûté ou pas, tu vois 6 mecs qui te regardent la paix à la main, tu te rends. Ouais non mais là. Ça a toujours été bizarre Axie en fait. C'est pour ça que dans le scénar je crois qu'il l'utilise pas souvent non plus. Non bah viens là du coup. D'accord, moi j'ai pas le droit d'utiliser mon sort. Ah bah je sais pas ce que c'est. Ah d'accord, j'avais pas vu que c'était une barre de chargement comme ça, ok. Ok, ça j'ai. Et par contre, ça m'a quand même pris 3 chapitres pour avoir tous mes sorts, hein. C'est pas mal, hein. Y'a plus d'offres. Ah par contre, la nuit c'est ghetto. Ah, la nuit c'est ultra ghetto. Ah, je me casse. Ah, Vélérade. Ok. Bienvenue. Je voulais te remercier pour ton aide à la banque. Non, pas vous vouliez me voir? Certaines des dernières décisions de Foltest sont étranges. Je les connais depuis longtemps. Est-ce que quelqu'un falsifie ces décrets? Possible. Mais le sceau. Oui, bah c'est, oui, bah justement, c'est pour ça qu'ils sont peut-être falsifiés. De Foltest. Un proche du roi. Excuse, Ramtou. J'espère que vous trouverez ce traître. Je vous préviendrai. Non, si je pense que je finis ça là. Et je m'arrête. Je coupe le stream. Ah, non, mais attends, j'ai dit je finis ça. Comme ça, la semaine prochaine. La prochaine fois, on aura vraiment masse de quêtes à faire. On pourra bien avancer, bien s'amuser, je pense. Et le principal centre de pouvoir à Vizima. Là, déjà, on est passé au chapitre 3. C'est pas mal, on a fini plein de trucs. On est en guerre contre les elfes. Non, c'est pas mal. Oh, le gros plan. Alors, oh, ah, mais attends. Attends, c'est déjà ça. Tu as les trois? Oui. Voilà. Voici ton or. Merci. Combien? Oh, oh, je vais me faire les couilles en or. Je suis la... Laquelle? Le sang de Ghoul. Apporte 12 filles. Voilà. Voici ta récompense. Tu vois? Encore 200? Ah, 150. Juste 150? Depuis quel... Monsieur Spongebob avec les couilles, hein. Et 12 quand même, hein. Ok, j'ai pas encore la Kiki mort. Je reviendrai. D'accord. Ah, j'ai pas encore les 5. Oh, mais c'est trop chiant ça. Bonsoir. Oh, une fraise. Pardon. Bon, bah, du coup. Oh, des cochons grillés. Bah, du coup, moi, je vais m'arrêter là, je pense. En plus, j'ai un petit peu enlevé quelques quêtes. Il restera quelques trucs à faire, en plus, pas mal de trucs d'ailleurs. Bah je vais sauvegarder là, on reprendra direct ici je pense, c'est pas mal. Hop, petite sauvegarde, voilà. Je remercie beaucoup à tout le monde d'être passé, j'espère que vous avez kiffé. Vos gueules derrière je parle. Oh. J'espère que vous avez kiffé ce soir. Et puis bah merci aussi pour les resubs, ça fait énormément plaisir. Et puis bah, à plus tard, on a bien avancé. On a passé un chapitre, on a forniqué avec une princesse, c'est pas mal quand même, moi j'ai mon ratio, je suis content. Non mais attends, fais voir la carte, attends, juste avant de... Attends, juste voir la carte vite fait. Non, pas héros, journal. Attends, juste voir la carte. Nice. Ok. Bon, bah c'est là-dessus qu'on va se quitter. hop. Hop, tais-toi le jeu. Mettre un petit son et puis je vous dis bisous. Alors je sais pas qui c'est qui stream demain par contre. Vraiment je sais pas qui c'est qui y a. Putain, tu peux bouger s'il te plaît. Mon PC est en train de péter un câble. Mon PC a chaud. Ok. Donc, je crois que ça... Est-ce que ça a été dit? Non, ça a toujours pas dit. Je sais pas qui c'est qui stream demain. Surprise. Inch'Allah, il y a quelqu'un. Merci de passer les copains. Et à plus tard. Allez.